qui explose. Très très bien joué par ce gagnant. C'est parti, c'est engagé. Très bel engage. Très bien. Non, mais tu es sérieux? Directement là où ça fait mal, les arguments qui rentrent dans la B2. Ouais, il est très très bien. Super. Bim. Et il l'emporte aisément. Lords of Draenor, boost to level 90 and take your place on the front lines. Rated T14. We're all healed up, we've had some potions, and our mana has been restored. That's right, we're back for more World of Warcraft Arena World Championship. We're up to the winner's bracket now in both groups A and group B. A reminder for you, the teams that have lost today unfortunately now have to wait 1 week before part two of the World Championship continues at the Anaheim Convention Center, next Friday, in fact. And as you can see there, the format for the World Championship. Top eight teams from around the world, as we've already seen today, with all eight teams in action. Two dual tournament groups of four teams each, which now means we are back to the winners' finals in both of those groups. So time to head back to the commentary team for game number one, and it's a big one, because the winners go to the semi-finals at BlizzCon.
Re tout le monde, où est ma peluche? Ah, elle est là. Voilà, avec ses beaux posters. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, hein, les gars, hein, avant de reprendre ces matchs, j'ai quand même un. On le voit pas, mais c'est un t-shirt WoW, les gars. Alors, hop. Si, normalement, il y a du son, on est là, c'est parce qu'on n'a pas le son des commentateurs. On est là, tout va bien, tout est revenu, sauf Sokar. Alors, maintenant, on va être sur du... là, ici. Alors, on va partir sur les gagnants du groupe A. Donc, sur Skill Capet contre Penny for your sight. Alors, deux grosses teams. Alors, on va en parler un peu de ces teams. On a... Skill Capt qui a fait un très 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 très. Qui va me voler mon t-shirt? Personne ne me vole mon t-shirt. Alors on a Skill Capt qui a vraiment très très bien joué, qui a lâché un 3-0 tout à l'heure. Donc c'était vraiment pas mal joué contre 3 amigos. Et là ils sont contre Penny. Donc Penny, voilà, démo, Chamelem, Moine Hill. A voir ce que ça donne. A voir. On a la régie qui fait des tests. Ça peut être pas mal. C'est vrai que Skill Cap, moi je les trouve vraiment, vraiment pas mal ensemble. Zuniaki, moi personnellement, je le trouve très, très, très fort. Je sais pas ce que vous en pensez. Skill Capet joue quoi comme team? Alors, Skill Capet, c'est Talbitri en Druidil. C'est Zuniaki en Prêtre Ombre. C'est No Lifer Cute en Mage. Donc c'est des francophones, hein, parce qu'on a Zuniaki qui est français, et on a notre ami No Lifer Cute qui est marocain. Et on a Talbitri qui n'est pas francophone. Voilà. Donc eux ils jouent une God Comp, comme on les appelle, hein. C'est une team caster. Prêtre Ombre, ça joue sur les 3 orbes, le burst du prêtre, ça c'est vraiment pas mal. Le mage met aussi une grosse pression avec le deep freeze, ça c'est cool. Si Push gagne le championnat, tu réagis comment? Bah, je trouverais ça vraiment cool pour ce qu'il le mérite. Donc ça c'est, voilà, pour la God Comp de Skill Capt. C'est vraiment une grosse compo. Eux de leur côté, tout à l'heure, ils ont fait des gros matchs, ils ont fait un 3-0, c'était plié, c'était net. C'était bien joué, il y avait du burst comme il fallait. C'était franchement bien. Franchement bien. Et on a vu après, tout à l'heure, juste après Playing Fire, qui joue la même compo mais avec un match feu. C'était différent. C'était différent, c'est un match feu certes, mais moi je trouvais que Skill Cap, ils avaient peut-être plus leur compo en main. Voilà, je trouve que Skill Capt sont vraiment pas mal avec leur God Comp. Et puis là, ils sont contre Penny. Penny, ils avaient joué contre les Asiatiques, hein, contre le moine DPS, le Chamanil et le démo Afli. C'était compliqué. Ils ont gagné. Enfin, ça, c'était compliqué pour les autres, hein, surtout. Ils ont gagné, ils avaient fait quelques défaites. Mais ils ont quand même un bon niveau. Tug, qui normalement est un joueur, je peux mettre le fin en même temps, hein, parce qu'on les voit. Voilà, normalement ça c'est Penny for your sot. Donc voilà, hein, eux normalement leur démoniste, donc leur team c'est démoniste, Moine Hill et Chamelem. Normalement cette team là, bon voilà, apparemment le démo jouait Destru. Finalement là il joue en Afli. On va voir comment ça se passe. Alors attends, hop, c'est longtemps, Soda joue dans Galilée, Soda, mais Soda il est pas là, non. Soda ils sont pas là. Ils sont pas ici. Il y en a plein qui sont pas là, comme Mindpox. Donc voilà, au niveau de ça, Penny for your sot, ils sont pas mal. Tug c'est vraiment le démo, je trouve, de la soirée, qui a mis le plus de pression. Comparé à Maldiva et la Gina, moi j'ai ma petite préférence pour Tug. Tug qui sait mettre la pression. Novos qui sait être là pour mettre les bons blasts comme il faut. C'est pour ça c'est vraiment pas mal. Et ça risque d'être serré. Après, à voir, hein, ces deux caster cleave. À voir qui va être focus. Est-ce que le mage de chez Skills Capt sera pas trop gêné par le Chamelem? Parce que moi je trouve que Chamelem, ça peut être embêtant pour un mage, hein, entre les glaibs, les CS, les dispels, ça peut être embêtant. Mais bon, ma foi ça va. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis ensuite on passera de toute façon
au groupe B. Donc pour rappel, ce qu'on a, c'est voilà, ce soir, le gagnant du groupe A aura sa place en demi-finale assurée lors de la BlizzCon les 7 et 8 novembre, qui, je le rappelle, seront streamés officiellement en live sur le Twitch JJip, voilà, chaîne sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et ensuite, on aura le groupe B, voilà, donc d'ici une heure, le gagnant du groupe B, pareil, aura sa place en demi-finale. Et ça risque d'être vraiment pas mal. J'essaie de vous lire en même temps. Ouais, cette fois-ci, t'es gêné plus papa. Merci pour la soirée, Souv. Courage tout plein à toi et à l'équipe pour la main en série. Merci, Aro. Une bonne soirée à toi. Salut, salut. La team Mir avec le mage FR. Non, non. Plus là. Plus là, plus là, plus là. Alors là, on voit les joueurs. Waouh. Alors ça, c'est Penny normalement. Parce que skill capt, je reconnais notre ami Zuniaki. Donc voilà pour ça, on va voir ce que ça donne. Au niveau, je sais pas, au niveau des... Tiens, regardez un peu, je vais faire voir. On va parler de vos pronostics après, mais regardez une petite vidéo de la BlizzCon qui passe en même temps. Je vous l'ai pas fait voir, celle-là. C'est marrant, ça parle du positionnement en arène. Voilà, pour ceux qui souhaitent apprendre. Voilà, là on voit le démoniste et le chasseur de la team en face qui attaque le chaman. Ah, le meilleur choix pour le chaman, c'est d'aller derrière le poteau, bien évidemment. Ça, c'est sympa, cette petite vidéo. Et ça rentre tout à fait dans le cadre des changements de Warlord. Parce qu'avec toutes les petites simplifications, etc., c'est vrai que ça peut être vraiment, vraiment sympa d'avoir plein de petites vidéos explicatives pour rendre l'arène plus accessible et plus lisible. Parce que vous le voyez, hein, même là, sur un patch 1.4, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de contrôles, beaucoup de sorts. Donc, et ça va très, 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 très vite. Du coup, je pense qu'avec l'extension, c'est vrai que c'est pas mal. Et ces petites vidéos-là, elles sont plutôt cool. Alors, qu'est-ce que je pense du futur des arènes? Bah, moi je trouve que le futur des arènes, ça va dans le bon sens. Parce que c'est vrai que les teams, les classes sont de plus en plus équilibrées. Donc il y a des specs qui sortent un peu du lot, mais c'est de plus en plus équilibré. Et ça va peut-être simplifier le jeu, simplifier la vision du jeu. Et donc ça peut être pas mal les arènes au niveau de WoD. Après, faut voir au niveau de l'équilibrage. Mais là, par exemple, moi, je trouve que les classes hybrides soignent un peu trop. Tu vois, soignent un peu trop, et donc ça, c'est peut-être un peu embêtant. Mais à la fois, ça ralentit peut-être le jeu un peu aussi, et c'est pas mal. T'as moins de gros bursts. Pour tuer quelqu'un, il faut quand même faire une bonne chaîne de CC. Et t'as moins de gros chiffres, quoi. Ça c'est clair. Sans CC, t'as plus de PVP, mais là, t'as toujours du CC, t'en as juste moins. C'est pas déraisonnable, quoi. Ouais, c'est bien joué en version 5.4.8. Là. C'est bien ça. Hop, hop, hop. Et d'ailleurs, au niveau de l'arène, ce qu'il faudra voir aussi, c'est l'implantation des tanks. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, moi, j'ai été testé un peu. Alors, je trouve que... Bah, donnez vos avis sur les tanks en PVP, hein, pour la nouvelle extension. Mais moi, je pense, pour l'avoir un peu testé, c'est pas mal. Parce que, finalement, ils ont un debuff de moins 20% de dégâts, je crois. Donc, ils prennent 20% de dégâts supplémentaires. Donc, ils restent plus résistants que les classes de dégâts. Mais à la fois, voilà, ils sont pas intuables. Ça, c'est pas mal. Et au niveau du DPS, pareil. Ils sont capables de mettre une bonne pression. Et au niveau du contrôle, c'est sympa. Donc ça fait vraiment... Je trouve que là, pour le coup, les tanks... Bah, je trouve que à la limite, les tanks gagnent un rôle d'hybride. Et... pas spécialement dans le heal, mais... ils ont un rôle un peu polyvalent. Et à la fois, les hybrides sont un peu trop axés heal. Mais sinon, moi, je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les top class WoD, bon, on va en parler après si tu veux, on va faire un petit point. OTLK, SP, pas de base, alors hop, qu'est-ce qu'on a ici? Tank en PVP, bof. Alors faut voir, moi aussi je pensais ça au début, et puis finalement ça va. Alors le problème avec le PVP de mob, c'est pas le nombre de CC, c'est le problème avec les DR. Oui, aussi, hein, non mais c'est un tout, hein.
C'est un tout, on est d'accord. Hein. C'est pour les games à anti-jeu. Ouais, bon, ça dépend. Hein. C'est comme les DK Blood. Bah, tu sais, les DK 100. Après, il y a de l'équilibrage. Hein. C'était encore une bêta, il y a de l'équilibrage à faire. C'est vrai que moi, j'avais joué avec un DK 100. Il était un peu intuable, je suis d'accord. C'était un des seuls tanks un peu intuable. Après, t'avais un pal à tank, par exemple. C'était pas mal. Et j'ai ma voix qui part, dis donc. C'était pas mal. Voilà, beaucoup trop axé heal pour les hybrides, c'est vrai. Ouais, mais tu vas jamais arriver loin si tu joues tank PVP. Bah, le but, justement, c'est de leur donner une place. Donc, leur donner une place à haut niveau aussi. Hein. Beaucoup trop axé heal, un castrate full vie. Non, mais... Go nerf, mâche feu. Bah là, Livin, elle avait fait son trou. Donc, bah, c'est playing fire, on l'aura en fin de match. Le mâche-feu, qui est pas mal. Il va quand même bien me manquer, mon scattershot. Plus de scattershot, eh ben dis donc. J'avoue que tu rushes pas à la cote avec un tank. C'est peut-être un peu plus long, hein. Faut voir. Faut tester les arènes, hein, les gars, de toute façon. On ne peut pas encore en dire beaucoup sur WoD. Hein. Voilà, c'est ça, on peut pas en dire beaucoup. Moi, pour avoir joué sur la bêta, peut-être pas totalement équilibré. Mais les tanks avaient leur place. Clairement. Ils avaient leur place. L'agréable surprise, c'est le palerette actuellement. Il progresse enfin. Mais dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Toutes les classes sont pareilles depuis mob. Tout le monde peut se heal, CC, burst et quelques paniques boutons. Bah oui, parce que forcément, après, t'as eu des plaintes. Hein. Shaman LM, il était très bien. Et puis, il avait pas de panic button. Il avait pas la rage du shaman. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il l'a. Bah, c'est très bien, quoi. Je trouve ça un peu normal. Si tu veux que la classe soit équilibrée, il faut que tout le monde ait plus ou moins une palette d'outils. Hein. Je pense. Je pense clairement. Alors après, quelqu'un m'a demandé un top. Pandi, panda. Non, quelqu'un m'a demandé un top des classes. Alors pour l'arène, je vais pas parler de heal, parce que je m'y connais pas assez. Mais franchement, ce qui envoie la grosse tatoune, hein, c'est le DK. Le War. Le DK le War à 2 font très mal. Le pas la raid juste derrière parce que le raid il a vraiment une assist de foufou. Tiens d'ailleurs on voit Zuniaki à l'autre bout. On a notre ami No Life sur le côté et Talbitri au milieu. On voit les joueurs, ça commence à se préparer. Mais sinon ouais, le top des classes moi, pour moi en PvP en début de saison sur WoD, ça risque d'être les classes CAC. Après il y a le moine et le Feral en DPS. Mais ils sont en deçà des DK du War et du Red, hein, quand même. C'est un petit peu en dessous. C'est un tout petit peu en dessous. Alors ça va être drôle, n'empêche les PhD à WoD. J'ai peu le temps, les kicks, on a 26 secondes de CC. Mage, petit ourson chinois, bon gros nounours, 0 de mage, full survival pour aller en BG. Oui. Mage, meilleur compo à WoD actuel. Red Feral, c'est pas mal. Parce que les deux ont un heal de dingue et font des dégâts vraiment très très corrects. Et quand je dis très très correct, c'est voire équivalent aux meilleures classes que sont le DK et le War actuellement, je trouve. Donc voilà. Donc voilà. Et c'est vrai que le War, quand il colle aux fesses, il fait mal. Le Rogue, c'est vrai que le Rogue fait très mal aussi. Mais là, clairement, c'est les classes CAC. Hein. Les classes CAC pour WoD, début de saison WoD, je pense que ça va être pas mal. Après, bon, l'Amelio qui est peut-être un peu en dessous. Le Chasseur qui est peut-être un peu en dessous. Le Rogue qui est bon sur une certaine spécialisation en assassinat, je crois. Le Moine et le Moine qui est peut-être un petit peu en dessous. Parce que finalement, le Druide Feral fait autant, voire plus de dégâts que le Moine. Et fait finalement plus de heal maintenant. Donc, moi, je joue Druide Feral à la base et un peu des modes estrus. J'ai un peu tout joué, mais principalement c'était Druid Feral. Ah, et il y en a qui sont souvent sous burst avec leur raid. Donc voilà pour le top des classes de WoD en PvP. Et je pense qu'on va voir pas mal de Kitty Cleave. Donc Kitty Cleave, Feral Wall, Feral War, la 1-2-3-4, Feral War et plus un heal. Donc pas sans doute. Parce que la synergie, les dégâts du War et du Feral et l'assist du Feral, je pense que ça peut être vraiment dingue. Pareil pour la TSG, les dégâts monstres du DK. Après le DK en survie il est peut-être un peu moindre. À moins qu'il soit joué 100, hein. On peut très bien avoir une TSG 100
Et croyez-moi, le décassant fait mal. Donc ça aussi, une bonne grosse TSG, DK War plus heal, ça peut faire très mal. Après au niveau du raid, ce qui peut être pas mal avec les classes hybrides à la limite, pour sortir un peu du cadre CAC, c'est une compo par exemple, Shaman, d'accord? Shaman heal, avec un Palarette en hybride ou un Feral en hybride, et un prêtre ombre. Ça fait deux hybrides pas mal, et puis il peut y avoir de l'assist sur le prêtre ombre, un peu plus de contrôle avec le fear, parce que forcément on a moins de contrôle maintenant, donc on va pas cracher sur un fear de zone. Et ça c'est pas mal. Et quelqu'un qui dit l'Amelio en 5.4.8 est extrêmement drôle à jouer, bah, l'Amelio c'est sympa au niveau de son burst. Hein. Warspé Arm, vous pensez quoi? On est réduit à jouer au tourbillon? Alors je sais pas, je pourrais pas dire si t'es réduit à jouer au tourbillon, ce que je sais c'est que c'est pas mal. Alors, quelqu'un est monté à 2K5 en raid, et franchement, c'est quoi? Sur un Hoche, tu dois burst, sinon tu tombes pas. Eh oui. Ça dépend si tu joues contre une team contrôle, ça veut pas grand chose dire, une team DK War. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais je vais sur Mop, sur un gros rush dès le début, il y a moyen de mettre une très très grosse pression, même de tomber un heal assez rapidement sur la première minute de match. Hein. Je dis ça en jouant en mode un peu retard, ok. Mais bon. Ah bah ça commence, les games commencent. Allez. Allez, c'est parti. Skill capped contre Penny, Penny, Penny for your thought. Allez, Penny for YT, du coup ils ont marqué. C'est parti. Allez, ça commence. Tug, 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 moi je trouve qu'il met une grosse pression d'entrée. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, Novoz. Ah mais non, mais il joue en double chaman. Ah oui, alors Tug est en démo, Novoz en LM, en LM Cham, et on a Sharp qui n'est plus en moine, qui est en Cham maintenant. Faut que je fasse attention à ça, là, ça joue tranquillement. Hein. Zunia qui est toujours en prêtre, Nolive qui est toujours en prêtre, et Talbadar aussi, Talbitri pardon aussi. Donc là, c'est bien de ce côté-là. On voit les joueurs en bas. Et allez, c'est parti. Ça met du dot. Allez, Tug qui essaye de mettre des fears. Pour l'instant, ça joue très safe. On rappelle que le gagnant, le premier à 3 victoires, est qualifié pour la demi-finale. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool pour l'équipe qui est qualifiée en demi-finale. Allez, hein, ça balance des bolts tranquillement. Novoz, Cham, LM qui se prend un silence et qui se fait burst. Qui fait proc, c'est CDPV. Oula! Waouh! Alors, ça, c'est dingue. Moi, j'attends un replay parce que du coup, c'était assez ouf, hein. Alors Zunyaki, voilà, on le voit, il a encore son trinket burst. Il a dû y avoir une grosse pression. Nolive qui était aussi en trinket burst. Et waouh! Ce qu'il capte, ils les ont massacrés. Novoz s'est fait. Voilà quoi, je voulais trouver le mot. Mais c'était. Waouh! C'était violent, hein. Bah là ils sont pas très fiers hein, de leur côté. Donc vous avez déjà 1-0 pour skill hein. 1-0 pour skill capped qui, ouais, alors ils ont vraiment rushé la game. J'aimerais bien voir un petit replay parce que le temps que je me mette dans le bain, j'entends regarder les joueurs, je me dis bon bah là ça joue tranquillement. Et puis boom burst. Et ouais, double chamois. Waouh. Et donc ouais, on va attendre la fin du match pour en parler, c'est pas un robot, ouais, je suis parce que on parle de moi sur une réponse, ouais, je peux pas tout faire les gars. Waouh. Azuniaki plus No Lifer, vous croyez quoi, ouais. Alors ouais, voyez, ici on voit l'action. De toute façon là on voit l'action, on voit le match en fait. Hein. Alors, Azuniaki qui balance le Vampiric Touch, ok, tranquille, Vampiric Touch, lancé. Très bien. On lance des dots, on a un div sur Sharp. Et voilà, on a le gros dot de lancer sur Cham. Sur Novaz, et puis ouais, là clairement il meurt. Il meurt sur deux silences, donc un deep sur leur heal, un counter, blanquette, et c'est terminé. Waouh. Bah, il n'y a pas grand chose à dire là, hein. Ils se sont fait surprendre. On va voir, j'espère que toutes les games ne seront pas comme ça pour Penny. Après, c'est vrai que skill capped c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que Zunyaki, et puis en plus, c'est un Frenchie donc ça c'est cool. Et No Life, pareil, c'est un francophone. Ça c'est cool, on peut les soutenir pour ça. Et c'est vrai que. Enfin, on est gros joueurs quand même, hein. Y a pas.
Y a pas à dire, hein. C'était vraiment rapide. Alors, je sais pas ce que vous nous dites. Alors, sûrement fait une erreur, le shaman. Bah, le shaman, ouais, il aurait peut-être dû lâcher. Alors, je sais pas, ils ont double glaive. Il y aurait peut-être eu moyen d'essayer de contrer un counterspell avec un glaive. Paul Nareff est à la mode aux USA. Mon dieu, quoi. C'est pas bien de se moquer des animateurs étrangers. Et ouais, il m'aurait fait un blanc. Après, il aurait même pu claquer. Je sais pas, il aurait pu y avoir le totem Link Spirit. Parce que bon, on l'a vu descendre quand même un petit peu. Il avait le trinket, mais c'est vrai que le trinket sur un blanquette c'est ultra risqué aussi. Mais bon, vaut mieux risquer plutôt que mourir. Hein. Je veux dire, autant lâcher le trinket et puis dire à la suite, bah c'était une erreur. Mais bon, finalement, on l'envoie qu'il est mort. Donc, No Lifer a toujours été FR. Bah moi, pour moi, No Life, on m'a dit qu'il venait de Maroc, du Maroc. Donc, il est francophone, ouais. Counterspell seulement avec la glyph. Sous, on peut parler des RBG en compétition. Après, s'il te plaît, peux-tu me dire oui, si on peut parler un peu des RBG en compétition, même si Sokar est beaucoup plus OP sur la question que moi. Si vous avez vos avis, on en parlera après. No Life français, c'est nouveau ça. Ah non, ah oui, d'accord, on a qui suit ça. Non, c'est pas nouveau, il est marocain, hein, donc francophone. Oui, j'ai vu ton message, Verso. Elle était à 80%, elle se prend. Ouais, l'horrifié, le silence, le fear. Bim, mort. Ah oui, hein, puis là, en plus, il est en plein milieu. Peut pas faire grand-chose, hein. Ils se sont fait choper. Skill cap, ils se sont mis d'accord sur un gros burst. Et puis voilà, hein, c'était terminé. Un monk peut se faire c'est trop facilement contre Shatter. Ils ont bien fait de jouer double shaman. Ouais, ils ont juste fait un peu de... Ouais, c'est clair. C'était juste pas terrible ce qu'ils ont fait de leur côté. Il vit en Danemark, pardon. Non, bah écoute, mais d'après mes sources, No Life est bien francophone et vient du Maroc. On demandera à Judge d'aller l'interviewer directement à la BlizzCon la semaine prochaine en physique. Voilà, d'accord, Judge, tu fonces, tu, je sais pas, tu passes la sécurité, puis tu poses juste la question au gars, quoi. Déjà tu fais est-ce que t'es français, si tu réponds oui, c'est bon, c'est ok, donc ça devrait aller. Et ah oui d'accord, alors peut-être, ok Hakim, peut-être qu'il vit au Danemark, mais en tout cas il est marocain, voilà. Allez, c'est reparti pour ce match. Allez, hop, on est parti. Allez, le portail est posé. C'est parti. Skill cap mène 1-0. Ils peuvent partir sur un 3-0. Je pense que s'ils repartent sur un 3-0, ça deviendrait vraiment les favoris, hein, pour la finale. On va voir comment ça se passe. Allez, moi je suis à fond avec les skill cap. Hein. On va rester objectif, mais je vois plus mes pronos pour un petit 3. Hein. C'est parti, ça dote de tous les côtés. Tug qui claque, un trinket burst. Allez, ça y va, No Life qui prend des dots. Talbitri qui prend des dots. Attention, le stun de zone sur skill cap, c'est pas bien les gars. Zuni qui a pris cher, Zuni qui a l'écorce de fer. Zuni qui a 70% PV, Zuni qui remonte Talbitri, qui le remonte Talbitri qui a 80% PV. Ils ont tous leur trinket, ça c'est très très bien. Tug qui joue très agressif, Tug qui joue au swap, qui swap de tous les côtés. Ok, on a eu un trinket de lâché de No Life, No Life qui s'est pris un ex-fear, qui se reprend un fear Talbitri, qui lâche du hot et du soin. Zuniaki qui vient de se prendre un fear, il y a un fear du côté de Sharps, Sharps qui est encore en shaman. Novoz qui continue de balancer ses petites bolts, attention à No Life qui prend cher. No Life qui remonte tranquillement, Talbitri qui joue tranquille à l'arrière. Hein. Tug qui se fait contrôle, Chip plus clone et qui n'a pas le trinket. Allez, Sharps qui est derrière, on a du glaive de poser, on a du double glaive ici avec Penny for your shot. Bon, on va dire Penny, ça sera plus simple ce soir. Allez, on a No Life qui a 50% PV, qui remonte tout doucement. Zuniaki qui est très très bien. Talbitri à 80% PV, No Life qui descend un peu, hein, ça aussi au niveau de ses PV, mais ça reste très très bien. Le stun de zone pour la deuxième fois sur les trois, c'est pas cool ça. Talbitri qui risque de prendre cher. Attention au trinket de Talbitri, parce qu'une fois que le trinket est lâché, ça peut devenir monstrueux pour lui. Zuniaki qui se prend un science blanquette qui a 50% PV. Talbitri qui le soigne, faut remonter ça tout doucement. Novos qui vient de se prendre un clone. Tug qui a été fier. Voilà, il faut essayer de limiter un peu Penny.
On a Novas qui se prend un silence blanquette, gros silence blanquette de 5 secondes. Il y a eu un ice block de lâcher du côté de No Life qui vient de se reprendre la dose de dot. Zuni qui va essayer de lâcher un burst. Novas qui a claqué la rage du shaman. L'ascendance de Novas qui a lâché. Attention à No Life qui peut prendre cher. Talbidri qui a dispel l'affliction instable. Novas qui continue ses lava burst qui a fond sur Zuniaki. Zuniaki qui peut prendre cher, qui a 50% PV. Qui va remonter tout doucement. Hein. Talbidri qui est bien, mais Talbidri qui est pas bien. À la fois au niveau mana. Sharp, c'est lui de son côté en shaman qui est très large, hein, très très large, très très vert de son côté. Voilà, double gleb, ça, double gleb c'est très bien, double séisme c'est cool aussi. Novas qui est fear, on va avoir un dispel tranquillement. Talbitri qui est en train de régénérer sa mana en fufu. Il a raison de faire ça. Novas qui prend très cher là, le proc PV sur Novas, le totem link spirit qui a été lâché par Sharp, qui a été horrifié par la même occasion. No Life qui a eu l'écorce de fer, ça continue, on essaie de mettre un chip, counter spell sur No Life sur le chip. Zuniaki qui prend un peu de dégâts, enfin, Zuniaki reprenne un peu du poil de la bête. Tug est en burst, hein. Faut faire attention au niveau des dots. Allez, ça continue à fuir full sur Talbitri qui n'a plus le trinket, faire attention à ça. Zuniaki qui a 50% PV et qui est full dot, attention à ça aussi. Normalement il a encore la dispersion, il est en plein milieu du poteau, plein milieu du pont pardon. On a un counter spell au niveau de Sharp et un clone au niveau de Novoz. Tug qui a pris cher, hein. Tug qui essaye de reprendre son pet et a claqué la régène PV et a claqué le portail. Ça c'était bien joué, heureusement qu'il y a le portail, c'est pour ça le démo c'est vraiment cool dans une team. Allez, hein, ça continue, on a du dot sur No Life, du dot sur Zuni, du dot sur Talbitri. Tug est vraiment très agressif en démoniste, c'est pour ça que j'adore sa façon de jouer, c'est vraiment pas mal. Le stun de Zun sur No Life et Zuni, attention, ses stuns sont bien placés aussi, on a un counter de spell sur Tug. Faut l'empêcher de jouer un peu. Allez, faut empêcher de jouer un peu. Allez, on continue, c'est redressé des deux côtés, on a un counter spell sur No Life. Allez, c'est bien, on est bien là. Hein. C'est, voilà. Novas se prend un clone, c'est reparti des deux côtés, ils ont récupéré les trinkets. Sharps n'a pas son trinket, Talbitri est revenu. Voilà, un avantage au niveau de sa mana. Il a récupéré au niveau de sa mana, c'est pas mal, il s'est fait ex, il a toujours son trinket. Zuniaki a été fear. Stunzen sur No Life, Zuniaki est fear sur Talbitri, qui a toujours son trinket. Pas de difficulté du côté de skill capt. Allez, ça burst un peu avec l'orbe du givre. Ah, Sharp prend cher, attention, hein. Du contrôle de zone sur les Penny. Oh là là, Sharp qui a pris le portail, qui prend cher, le glaive qui a été lâché, le proc PV qui a été lâché. Faut pas qu'il y ait counter spell dessus. Tug qui essaie de lâcher des fiers et lâcher du burst. Voilà, il essaye de mettre du dot partout, il essaye de mettre de la pression. On a mis un clone sur Sharp. Faudrait continuer la pression sur Sharp, mais là, Sharp c'est à l'autre bout. Talbitri, attention, qui est en plein milieu, qui a l'écorce. Ouh là là, counter spell, Ursor qui a été lâché et le TP du druide. Bien bien joué de la part de Talbitri, il a eu très 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 chaud, il est en plein milieu, il a pris du gros burst, retournement de situation. Voilà, Talbitri a lâché pas mal de CD, mais il a toujours son trinket, il a dispel l'affliction instable sur Zuniaki, Novoski est clone en ce moment même. Allez, Tug, ça continue, c'est cool, Novoski est fear, il ne claque rien, voilà, il s'est fait dispel, très bien. Talbitri qui essaye de clone de temps en temps, Talbitri s'est fait counter spell sur le clone, ça c'est pas bien, faut faire attention. Talbitri qui peut prendre cher, il a pas de dot, c'est bien, il n'y a pas trop de dot. Je sais pas ce que fait Tug de son côté. Tug va commencer à remettre ses dots, voilà, il met un fear de zone. Non voilà, stun de zone, il essaie de faire un fear, il s'est fait counter spell sur de l'ombre. C'est bien, ça permet de casser un peu le jeu de Tug qui vient de se prendre un clone et qui a toujours son trinket, qui reste dans le clone, ça permet de casser le jeu, c'est très très bien. Allez, un Talbitri reprend du poil de la bête, Zuniaki attention à sa mana, Talbitri très bien au niveau mana, Sharp reprend au niveau de la mana aussi. Attention, Novos claque un burst, hein. Claque un burst avec l'ascendance, No Life peut prendre cher, il est full dot, Zuniaki n'a pas de dot, mais attention, il va peut-être se faire focus par Novos, Talbitri qui est en train de tenir ses mates, c'est très très cool. Allez, on a encore leur trinket, hein. On est bien, Talbitri il est bien. Allez, on continue. Allez, Tug essaye de mettre des filles, on a eu un fear sur No Life. On a eu un ring sur Sharp, il peut y avoir un burst sur Tug. Allez, attention, Tug prend cher là. Il y a un alter time lâché avec No Life. No Life qui essaie de lâcher un petit burst sur Tug. Tug qui peut prendre cher, attention à Sharp. Sharp qui a toujours le trinket. Pff, Totem Link Spirit, il aurait fallu un petit counter spell peut-être, mais il y avait encore le trinket à la limite. Attention, Novas continue de mettre un peu de pression. Les trinkets ont été lâchés du côté de Penny. Sauf du côté de Sharp qui a réussi à maintenir la pression avec le totem lien d'esprit. No Life qui a 50% PV, attention, il y a l'écorce de fer dessus. Talbitri, qui est pas mal. Qui baisse niveau mana, faut faire attention, mais qui a son trinket, donc ça c'est pas mal.
Zuniaki par contre qui est totalement oum. Alors c'est un peu plus compliqué pour Zuniaki là sur. Alors je sais pas si c'est la carte qui joue aussi. Mais là Zuni est très mal. Talvitri est en train d'essayer de régène. Faut que Zuni tienne. Hein. Voilà, il est derrière son poteau. Ils ont pas de portail. Faut essayer de tenir. Voilà, il tient, il remonte. Talvitri revient, remonte. Il remonte au niveau de la mana, c'est bien. Un silence, un dip sur Tug. Un CS sur Novoz. Un Fear sur Novoz. Un shift sur Sharps. Allez, hein, y a du contrôle, ça reprend. Peut-être falloir un burst de Zuni. Zuni qui essaie de lâcher un burst, qui s'est pris un blanquette. Nolive qui balance un burst aussi. Talbitri qui est fear. Burst pas très concluant. Hein. Sharps qui est bien, qui a toujours son trinket. Novoz qui n'a pas le trinket, qui a un gleb. Qui a toujours la rage shaman à Novoz là hein, pour le moment. Zuniaki qui peut être mal. Attention, Talbitri, il faut qu'il le tienne là. Hein. On a du dot. Allez, un Tug qui met un peu de pression. Nolive qui prend cher, Nolive qui a 50% PV. Attention à Nolive. Nolive qui essaie de soigner derrière le poteau. Voilà, on se repositionne, on est bien. On est déjà à moins 20% de heal. Moins 20%. On va voir comment ça se passe. Talbitri qui n'hésite pas à dispel l'affliction de ses mates. Un fear de Tug sur Zuni. Zuni qui se fait egg juste derrière. Ok, Talbitri qui se prend un fear full. Attention à la chaîne de contrôle, Talbitri n'a pas de trinket. Sharp se prend un CS full. Attention, dip sur Tug. Peut-être qu'en 2 secondes, on peut voir Tug mourir. Attention, un shift sur Sharp. Sharp ne claque pas son trinket. Tug remonte, claque un CDPV. Talbitri est encore en chaîne de CC, il est encore fear. Nolife est à 40% PV. Attention à Nolife, il faut vraiment que Talbitri le remonte. Zuniaki est très bien, il essaie de lâcher des petits bursts. Un burst plutôt pas mal sur Tug. Dommage, il aurait fallu au moins que Sharp claque son trinket, ça n'a pas été le cas. Ça c'est un peu dommage, Talbitri récupère quant à lui son trinket d'ici une trentaine de secondes. Attention à Zuniaki, hein. Zuniaki 50% PV qui se fait stun. Attention à Talbitri aussi, qui n'a pas encore son trinket, qui s'est pris un chip. Lava burst de Novoz qui part sur Nolive, Nolive qui prend cher, qui a dû prendre un crit d'ailleurs. Allez, Novoz qui se fait clone. Ça continue. On est bon. Nolive qui claque le trinket sur le Hex. Novoz qui prend cher. Attention à Novoz qui prend cher. Quelqu'un qui est l'ascendance. Il veut peut-être la claquer en mode défensif. Hein. Il veut essayer de mettre la pression sur Nolive. Attention. Ouh là là, Talbitri qui a dispel l'affliction instable. Faut pas que ça se retourne contre lui. Hein. Il a claqué une écorce. Il a eu un fear. Attention à l'ascendance sur Talbitri. Ça peut être fatal. Talbitri qui lâche son instant et qui lâche toutes les écorces possibles. Qui part derrière son poteau. C'est bien joué de la part de Talbitri. Mais c'était. Waouh. C'était un peu chaud, hein. Novoz qui claque ça en défensive et qui se retourne sur Talbitri qui est en plein milieu de l'arène et qui se prend un fear. Attention à Nolive, il faut essayer de le remonter aussi, la tranquillité c'est pas mal. Mais au niveau de la mana, vous voyez, Talbitri en à peine 15 secondes a vraiment perdu beaucoup au niveau de sa mana. Wow. On a Nolive qui se prend un fear. Oh, le stun de Zen sur tout ce qu'il capte, ça c'est pas bien du tout. Et là, Talbitri, Android va être très très mal, je pense, avec le moins 33% de heal. En tout cas, la game est très 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 chaude. Talbitri qui essaye de régén, mais c'est vraiment compliqué. Allez, Zuniaki qui essaye de tenir. Tug qui va se jouer agressif. Attention à Nolive. Nolive qui peut mourir. Hein. Nice Block qui a déjà été claqué. Il est en hypothermie. Zuniaki qui se prend un ex. Il faudrait qu'il se fasse dispel par Nolive. Nolive la dispel, c'est bien. Talbitri qui est toujours là. Talbitri, CS sur Nolive. On a un dip sur Sharps. Tug lâche un burst là. Hein. Zuni prend cher. Nolive prend cher. Talbitri prend cher. Tug est en train de mettre la pression. On a un silence sur Sharps. On a un fear sur Novoz. Tug prend cher aussi. Attention au retournement de situation. Il y a Talbitri qui tient avec les écorces de fer avec les hot. Talbitri est totalement oum. Tug prend cher. Sharps peut remonter, Sharps n'a plus de trinket. Attention à la chaîne de CC, il suffit que Sharps prenne une chaîne de CC et Tug peut mourir. Alors qu'à l'inverse, voilà, Talbitri, avec les moins 38% de heal, peut ne pas réussir à tenir ses mates qui sont full dot. Hein. Donc là, c'est très 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 compliqué. On a un silence sur Tugonomics. Oh, Nolive qui a 50% PV, Zunia qui a 50% PV, Talbitri 80%, mais il a toujours son trinket. Il se prend un ex fou, il a sans doute claqué le trinket. Non, ça va, il s'est fait dispel par Nolive qui est avec une écorce. Attention, Nolive n'a pas de hot. Talbitri essaie de le suivre, essaie de le soigner tout doucement. Allez, ça remonte tout doucement avec les moins 41%, c'est très compliqué. Il faudrait des CS et des contrôles sur Tug et sur Novoz. Allez, Zunia essaie de remonter. Talbitri, malgré la pression, arrive à dispel les afflictions instables. On a eu un dip sur Tug. Une petite pression sur Tug. Allez, hein.
Allez, c'est beaucoup trop chaud là. Scharf fait beaucoup trop bien de son côté. Talbitry n'a plus de trinket, il vient de se prendre un Fear 2. Sozinia qui a 50% PV, no life, pareil. Tug va réussir à placer ses afflictions instables partout. Talbitry n'est pas d'autre, mais ça ne serait tardé. Il y a le swap qui va arriver. C'est vraiment compliqué. Talbitry n'a plus aucune mana. Aucune mana de l'autre côté. Ils sont bien. Scharf a encore de la mana, beaucoup plus que Talbitry en tout cas. Nolaf est à 40% PV. Il a encore ses écorces de fer. Zuniaki a essayé de claquer un hymne de 2 mana pour essayer de régénérer un peu la mana de ses mates. C'est très très compliqué. Scharf a mis lui, quant à lui, son totem vague de mana. Zuniaki 40%, Nolaf 40%, Talbitry 40%. Nolaf va mourir, là. Talbitry est en train de régénérer. Nolaf va mourir, on a moins 46% de heal. C'est très très chaud. Très très chaud, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Avec la LSD2, là c'est vraiment super compliqué pour le druide de remonter ses mates. C'est même impossible, il a retrouvé de la mana, il a plus de trinket, il faut absolument que No Life le dispel. Voilà, le Hex était dispel, il y a eu un Ice Block, il sort du Ice Block, il se met des chips. Novos prend cher aussi, hein. Faut s'y arrêter de l'autre côté. On a eu un clone sur Novos qui a claqué la rage du chaman, derrière on peut lâcher un burst sur Novos. Charles a toujours son trinket quant à lui, Tug lâche aussi un burst, hein. Il avait son âme sombre qui était encore là. Zuni prend cher, il y a des dots sur No Life, Zuni. En full burst, No Life va mourir, je pense. Un stun sur Zuniaki, Talbitry ne peut pas remonter No Life. Regardez, il est full hot, c'est impossible, il ne remonte pas. Oh là là, Novos qui a son proc PV, ça joue à rien. No Life qui tient, Zuniaki qui tient. C'est vraiment dingue, il faudrait un contrôle sur Tug. Sharps qui n'a plus de mana. Il a plus de mana, ça peut-être se retourner. Sharps il a plus de mana et il a plus de trinket. Il y a eu un ring sur Tug. Voilà, disperse sur Zuniaki qui récupère un peu de mana. Talbitry qui va peut-être récupérer de la mana. No Life, attention, il est full dot, il vient de se faire counter spell. Il va sans doute mourir, il a aucune hot dessus. Oh, ça risque d'être la mort pour No Life. Non, il a l'ice block. Talbitry qui s'est pris un fear full, qui n'a pas encore ce trinket, il l'a dans une seconde. Très très compliqué, No Life qui risque de mourir, attention, silence sur Novos. Tug qui est toujours là à swap. No Life qui claque l'invisibilité. Talbi qui est mal, qui se reprend un fear, qui le trinket instantanément. Qui a une écorce dans No Life, No Life qui claque aussi son trinket sur un blanquette. La situation est vraiment désespérée. À moins 56% de heal, Novos prend cher, No Life est... C'est incroyable, je sais pas comment No Life fait pour tenir. Novos prend... Voilà, là, Charles n'a plus de mal non plus, et voilà, No Life est mort. C'est... Depuis les 50% de malus heal, de toute façon... Ah ouais, Survivor, le mec Survivor. Waouh. C'était Tandax, hein. C'était Tandax, mais... voilà, Penny, il mérite leur victoire. C'est vrai que on le remarque ce soir, au niveau des points de vie, c'est très compliqué pour un druid heal. Très 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 compliqué. Une fois que la pression était là, ça joue aussi peut-être à la map. C'est vrai que on a eu beaucoup moins de pression de la part de Zuniaki. On a eu 2-3 pressions avec les 3 orbes et la peste dévorante. Mais c'était compliqué, hein. Elle est moins 57% sur la tranquillité, on les voit, hein, c'est sûr. Hein. Eh ouais, ça c'était ouf. Et c'est vrai que là, pour le coup, No Life a très bien joué. Il a très très bien joué, No Life. Il a su l'aim les poteaux, il a su suivre son druide, Talbitry a su le suivre, il a essayé. C'est dommage. Si Talbitry avait eu des moments peut-être de régène de mana un peu plus long, il a essayé à des moments, c'était impossible. Voilà, hop, on revoit ici la fin du match. Donc c'était très très chaud. Alors voilà, on va revoir un peu, hein. No Life qui fait le marathon. Ça c'est un pur marathon. Alors, regardez les points de vie de No Life. Ça, voilà, il est mort là. Là il est mort normalement. Et Novos à côté qui est en train de se faire quasiment tuer par Zuni. Ah, il aurait fallu pareil, hein, 2-3 javelots de No Life, et c'était bon, mais bon, c'est comme ça. Et là, No Life, voilà. Ici, qui prend pas mal de dégâts. Voilà, ça prend, il refait son marathon. Talbitry qui essaye de remonter, avoir les 3 kills, les tranquillités qui ne remontent rien du tout. Et là, No Life qui meurt, quoi. C'est vrai que, pour le coup, c'était pas mal, hein. Il fallait symbiose le mage, ouais, bon, est-ce qu'il aurait réussi? Bon, il aurait pu... partir à Bagdad, est-ce que ça se serait pas retourné sur Zuniaki ou Talbitry qui étaient tous les deux aussi très mal, hein. Très très mal. Et ouais, surtout qu'il avait la symbiose sans doute, je sais pas, j'ai pas fait attention. Il y a combien à combien? Alors là on est à 1-1 pour skill contre Penny. Alors voilà, au niveau des matchs,
Voilà ce qui s'est passé ce soir. Alors voilà, niveau des matchs, on a Skill Capet qui est grand vainqueur du groupe A avec Penny for Your Sot. Donc forcément les deux se battent et le gagnant du groupe A aura sa place en demi-finale. Au niveau du groupe B, on a Playing With Fire qui a fait une belle perf. Et Bleachban aussi, ils s'affronteront juste après. Et ça reprend déjà. Ça reprend déjà. En tout cas, gros match. Donc 1-1 pour les deux. De toute façon là ils vont se battre à fond. Hein. Ils vont se battre à fond. C'est leur place en demi-finale, c'est pas rien. Faut essayer de la choper cette place. C'est une grande étape. Allez, on va voir ce qui se passe. Allez, ça commence, ça dot tranquillement. Tranquillement. Ça dot, ça joue. Allez, c'est parti, on a du dot sur Vini, on a du dot sur No Life. Oh là 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 là, oh là là, ouh, Charles qui prend cher là, attention, attention le silence. Oh non non non. Ah mais dingue. J'ai à peine eu le temps de me retourner. Mais c'est, en fait là c'est le, pas de toute façon, on va revoir le direct. Mais c'est assez fou. Parce que là on a eu la même chose en fait. Mais cette fois-ci c'était sur Charles. Donc là ils sont bien contents les Frenchies. Voilà, comme tout à l'heure, il y a eu un burst d'Antam. Ça jouait tranquille, il y a eu un burst d'Antam. C'est... Ouais, voilà, comme la première game, sauf que cette fois-ci, c'était sur Sharp. Tout à l'heure, c'était sur Novoz, mais voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est que là, ils gagnent leur partie. Ce qu'ils captent, voilà, sur... c'est un coup de poker, bah, et non, hein, voilà, ils préparent leur coup aussi, c'est super rapide. Et voilà, faut pas que ça dure, quoi, pour eux. Faut vraiment que ça joue comme ça. Ils peuvent très bien enchaîner le 2-1, le 2-1 comme ça, hein, c'est fort possible. Donc on va le voir là. On revoit tout le match de toute façon. Ça joue tranquille. Voilà, hop. On va regarder le moment où Sharp se fait focus. Hein, de toute façon, Vuni et Fear. Voilà, là on est point de vue No Life. Un chip sur Sharp. Ça va switch là. Hein. Un deep. Voilà. Pourtant No Life s'est fait CS. Mais voilà, vous avez vu ? No Life, il a carrément trinket le blanquette pour tuer Sharps. Donc c'était osé, hein. C'était osé. Il a carrément trinket le blanquette 2 secondes. Il y avait l'orbe gelée. Ça s'est joué voilà quoi. Les 3 orbes du prêtre de Javelot et c'était terminé. Hein. C'est vrai que. Voilà, 3 orbes plus 10 blanquettes, c'est terminé. Et le chaman a préféré prendre le TP. Il pensait pouvoir tenir avec son proc PV. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Il a voulu prendre le TP. Il s'est dit, bon ben c'est bon, je vais pas trinket le blanquette, il reste une seconde. Et il est mort. Hein, c'est... Voilà, voilà pourquoi il faut s'inquiéter. Ils ont attrapé Ebo là, il m'a dit donc. Quand j'ai vu le Insta IB de No Life, j'étais en mode, oulala, ça part en full aggro. Ah ben là, ouais, ouais, ouais. Ça joue en mode, on veut avoir 120 000 $. Pour le coup, pour les coups, tu me diras qui ne les veut pas. God comp. Ouais, l'orbe, elle a dû mettre très cher. C'est pas ce qu'en pense mon petit nounours. Ouais, mon petit nounours, il a dit que c'était. Voilà, c'était quand même incroyable. T'es d'accord, hein? Remplace Soccer un petit peu. Allez, tiens. Tu commentes la prochaine game? D'accord. Moi, je vais prendre un cachet pour la gorge. Allez, je te regarde. On te supporte, on est tous avec toi. Et à la Géry, il y a la régie. Le gars il parle. Le gars parle à l'envers, tu sais. Le mec est. Il y a la régie qui est là-bas, ok. Si t'as un souci, tu t'appelles, tu fais signe. Puis en plus, Judge fait des super massages aux pieds. C'est génial. Tu vas apprécier ça, c'est super cool. Non, allez, sincèrement, c'était vraiment, vraiment bien joué de leur part, un skill, et puis ça va repartir de toute façon, là. On est à 2-1 pour ce qui est là. Toi aussi, t'es des nounours. Ouais, mon chêne, il est grave d'accord avec moi. Allez, ça repart. Allez, bon, cette fois-ci, je vais être attentif dès le départ, parce que si nous relâchons... Mais là, ils vont être attentifs, hein, Penny, de toute façon. Hein. Allez, ils peuvent pas se le faire avoir. Hein. Alors, Sharp se prend un deep. On a un silence sur No Life, No Life blanquette, Sharp's ring,
Tuck Blanket, Novas qui prend cher, attention Novas qui prend cher avec l'orbe. Stunzone sur Zunyaki, clic. Oh là 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 là, c'est ouf. Cette pression, alors. Et puis les gars se lèvent en mode. Waouh, mais cette pression. C'est dingue. C'est parti d'un côté, il y a un CC de l'autre. Ils ont été vraiment. Et ça, ça les a fait gagner. Hein. Le match d'avant, on a eu No Life qui a claqué un instant trinket sur un blanket de 1 seconde, ça leur a fait gagner. Et là, pareil, on va le revoir. Zunyaki qui a pris le stun de zone, qui a trinket instant le stun de zone de 2 secondes. Et paf, le mec est mort, quoi. Waouh, 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 waouh. C'est ouf. C'est ouf. C'est assez chaud. C'est assez chaud et c'est assez bien pour Skill. Allez hop, on a du 3 et on a nos gagnants pour le groupe A. On a le gagnant pour le groupe A. Donc on a Skill Caped ou Skill Capt qui est qualifié pour les demi-finales. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos amis Frenchy du côté de Zunyaki et de No Life. Suivi de Talbitri. Donc ça c'est vraiment cool. Bah là ouais c'est vrai que les mecs ils se sont fait vachement avoir quoi hein. Trois fois d'affilée de la même manière. Ça doit laisser sans voix hein. Je sais pas trop ce que pensent les deux équipes. Mais ouais c'est assez abusé. On voit des matchs assez longs. Et puis d'un coup on voit trois matchs pour la demi-finale se faire rusher à une vitesse dingue. Se faire rusher à une vitesse dingue, hein. Je sais pas si on va pouvoir revoir un replay, mais c'était assez fou. Bah, de toute façon, ils le méritent, hein. Voilà, ils ont fait un 3-1, tout à l'heure ils ont fait un 3-0 de leur côté, donc ça pour le coup, Skill Capt mérite vraiment leur victoire. Ils ont une très bonne compo, voilà, on a aussi Playing With Fire qui joue la même compo mais avec un match feu. On va voir ce qu'ils donnent au niveau du groupe B. Et voilà quoi, on va voir ce que ça fait. La France gagne, ouais, le mec meurt sur une deep prof, et ouais, là c'est clair que c'était assez rapide. À un côté avec le debuff, ils lose donc ils sont obligés de rush. Ouais c'est ça, avec le debuff ils sont beaucoup trop désavantagés au niveau des soins du druide. Si ça dure trop longtemps c'est vrai que c'est un peu la galère pour eux. C'est vrai qu'il fallait autant la jouer en mode super agressif. Ça a fonctionné hein. Ça a fonctionné et pour le coup c'est top. Donc il nous reste plus que les matchs du groupe B. Voilà, Zunyaki qui a l'air très content. Ça c'est cool, voilà, on voit ici hein, Zunyaki qui se fait interviewer. Voilà, c'est une open, une deep et un mort. Hein, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à commenter sur cette game de hein, toute façon. Qui a gagné, c'est Skill Capt qui a gagné. Donc Skill Capt qui décroche sa place directement en demi-finale et qui a gagné contre Penny for Your Sat. Et c'était du 3, hein. C'était 3, une game qui a duré longtemps où Skill Capt a perdu, et 3 games vraiment ultra rapides, ultra nerveuses, où Skill Capt a tué un des chamans dès le début de partie. Et c'était vraiment, 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 vraiment pas mal. Les compos du groupe B, attends que je regarde les compos du groupe B avant d'attendre les prochains matchs. Voilà, on avait Playing With Fire où ça jouait une good comp en mode Druidil, Prêtre Shadow et Mage-feu. Ensuite, tu avais Push-Push qui jouait Druidil, Mage-givre et War DPS. Et c'était vraiment, vraiment pas mal. Ils méritaient de gagner, mais ils ont perdu 3-2 contre Bleachbuns. Bleachbuns qui jouait une LSD2, donc avec un Druideki, un Domestic Affliction et un Chamanil. Et enfin, tu as les Devs Innovators qui ont perdu contre Playing With Fire. Et eux ont joué une team un peu plus originale. À base de chasseurs, de démonistes affliction et de chamanil. Voilà pour le groupe B. Et c'est Skill Capt qui a gagné. En attendant la suite et les derniers matchs donc du groupe B pour savoir qui va gagner sa place en finale. On va refaire une petite pause. Allez faire vos FK bio, recherchez des chips, recherchez les popcorn, voilà FK bio etc. N'hésitez pas à passer un petit coup sur Judge ou vous inscrire à la chaîne. La semaine prochaine le 7 et 8,
on est encore là avec Soccer normalement, je ne serai pas seul, la petite souci technique, et voilà, donc pour la BlizzCon la semaine prochaine. Nous on se laisse en attendant avec le feed officiel, vous allez pouvoir voir les joueurs, et on revient tout de suite après ça. À tout à l'heure pour les derniers matchs du groupe B pour connaître les demi-finales, demi-finalistes. Allez, à tout à l'heure. Target to a different player as soon as the enemy team uses defensive cooldowns to keep the first target alive. This strategy is called swapping and is often the key to landing a kill in an arena. If multiple cooldowns are used to keep one player alive, they won't be available for their teammate, making them a much easier target. For more examples of team compositions and strategies, visit worldofwarcraft.com and navigate over to the arena forums. The top 16 Hearthstone players from around the world have put their decks to the test. Only one will walk away with the prize. This is so close right now. Oh my god, this is brutal. Oh, picks up Conceal. Consecration! No, no, it is! 14 damage, he can do it. Man, second Doom Guard. Yes. Oh, he can't use Blizzard! He can't do it, it will kill him! He has gotten his ticket to BlizzCon. Ladies and gentlemen, welcome back to BlizzCon to the World Championship Series. The chants of the crowd say everything right here. And this is starting this up. This is it. This is looking absolutely fantastic. This is the biggest StarCraft 2 tournament of all time. That's a big storm to start things off. Absolutely amazing. Stas is going to flank you with two high top off. I think this is the tipping point. Thank you.
Warlords of Draenor. Boost to level 90 and take your place on the front lines. Rated T14. Blizzard Animations, they still get me. They're great, aren't they? Welcome back to the World of Warcraft Arena. World Championship, final match of the day. After a terrific day of World of Warcraft through Groups A and Group B, we're down to the final game of the day. But don't forget, it's not the end of the World Championship, of course. We've got the World Championship to finish at BlizzCon in just 7 days' time. Friday and Saturday of next week. Make sure you get your tickets. And make sure you get your tickets to watch the World of Warcraft. It's going to be spectacular. In the group so far, we've had a terrific day, as you can see in Group A. All done and dusted for what we've got right now. Skill capped EU, making it through to the semi-finals straight away. Those other two, other three teams still have an opportunity of getting out of the groups. We're going to move on to our final game now in Group B for today. The winner of this one also makes the semi-final directly as well. It's time to see which is best, EU or NA. With your commentary team, Josh is with Azale. Très bien joué parce que Gang, c'est parti, c'est engagé. Très bel engage. Très bien. Non, mais tu es sérieux? Cherche-moi là où c'est mal, les arines qui rentrent dans la D2. Ouais, il est très très bien. Super. Bim. Et il l'emporte aisément. Re tout le monde, c'est reparti. Je veux ma peluche, je n'ai plus ma peluche. Alors pourquoi chaque fois que je démarre le live, je n'ai plus la peluche? Voilà, je suis obligé d'avoir la peluche. Re tout le monde. Alors vous êtes remis de cette victoire, ces victoires incroyables de Skillcaped. Skillcaped, je dis bien, de Skillcaped. C'était vraiment impressionnant. Ils nous ont joué les magiciens. On rentre dans l'arène, on tue un gars, on rentre dans l'arène, on tue un gars, on rentre dans l'arène, on tue un gars. C'était un 3-1, ça aurait clairement pu être un 3-0. C'était quand même incroyable, hein, des matchs de 20 secondes à ce niveau-là. Ils ont clairement mérité leur place. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Mais pour revenir à pour revenir à ça, on va passer au groupe B maintenant. Donc, on va voir si ce sera aussi simple qu'avec les skill caps. Parce que là on a donc les Playing With Fire qui jouent plus ou moins la même team, sauf que Levin le mage
joue en match feu. Oui, j'ai le droit d'aimer mon nounours, les gars. Ouais, Souv, Zuni et Nolifer sont bien FR, oui. Donc, Souv est bien français, Zuni est bien francophone, et Nolifer est bien francophone aussi. Et donc voilà, ouais, non, franchement, ils ont clairement bluffé. Oh non, un panda, mais les gars, je peux aimer ce panda, surtout que c'est une peluche de très grande qualité qui est ultra douce. Et je suis sûr que même la plus grosse des brutes retombera en enfance. Ça, c'est ce petit panda tout mignon. Voilà, sinon. Donc, j'adore ce petit nounours. Et pour parler de ça, on parlait de Playing with Fire. Donc, c'est la même compo que celle de Skillcapt, sauf que c'est un mage feu. Et donc, ça peut être pas mal. Ça change un peu. Le burst est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais ça risque d'être pas mal. Mais surtout. Mais par contre, je sais pas du tout comment ça va se passer. Hein. Moi, je vois plus les Bleach Bones gagner sur ce match-up. La LSD2, voilà, vraiment violente avec le druide Eki. Le druide Eki tout à l'heure. Voilà quoi, le druide Eki, il était vraiment, 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 vraiment très, très embêtant, très, très fort. Il avait une assist vraiment incroyable. Il faisait du dégât. Du dégât vraiment vraiment ouf aussi hein, au niveau de ses dots et des météores. Donc c'est vrai que pour ça Bleach Bones bon, ils peuvent gagner hein. Ce sera sans doute des games assez longues. À moins que Playing with Fire fasse un peu comme Skillcapt. Et puis finalement on a des games qui sont un peu rushés hein, vous voyez les joueurs qui se préparent ici. C'est possible. C'est possible que la God Comp de Playing with Fire aille rusher le Sham de chez Bleach Bones, par exemple, pour essayer de décrocher un kill. Mais j'en suis pas si sûr. Parce qu'avec le druide Eki en assist, ça va être peut-être un peu plus compliqué qu'avec l'autre team. À voir comment ça va se passer. À voir. Bonne nuit, Fluo, et bonne nuit ceux qui partent. Qui dit je stop un mop? Non mais tu devrais essayer WOD parce que c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Non, je ne suis pas toi nous. Cheveux sur la langue ou bien? Ouais, marque de fabrique. C'est même pas un cheveu, c'est une petite touffe de cheveux. Voilà, chaque année j'ai un cheveu supplémentaire. Ça c'est cool. Donc voilà les joueurs qui se préparent. On va voir comment ça se passe du côté de Playing de Bleach Bones. On rappelle pour ceux qui arrivent, ce sont les deux gagnants du groupe B. Groupe B que l'on retrouve ici hein, dans le groupe B avec Playing with Fire, Push, Bleach Bones, Death Innovators. Playing et Bleach Bones sont les deux grands gagnants du groupe B. Et le gagnant aura sa place en demi-finale. Donc ça c'est vraiment cool hein, parce que j'imagine ça fait quand même des matchs en moins. Et puis, quand on est en demi-finale, on est à deux matchs. Enfin voilà, on est à deux matchs des 120 000 $. Et on a quand même au moins 50 000 $, quoi. Parce que je regarde bien au niveau des prix. Et hein, au niveau des prix, voilà, le premier est 120 000 $. Donc les demi-finalistes, dans tous les cas, ont 50 000 $. Donc ce soir, c'est quand même énorme pour eux, hein, parce que là, voilà. La team qui va gagner entre Playing, The Wifire et Bleach Bones, a la sûreté de gagner au moins 50 000 $. Et ça, c'est pas mal. Les demi-finales et les finales, donc après les autres matchs, donc les quarts, etc. Parce que là, on est sur le week-end pré-BlizzCon. Si tu veux, ça se passe la semaine prochaine, le 7 et 8 novembre. Voilà, sur le Twitch de Jeep. On retransmet tout pareil, sans souci technique. Toujours avec le cheveu sur la langue, toujours avec la peluche panda, toujours avec une régie qui déchire normalement, et avec Socar. Avec Socar qui sera là normalement, j'espère. Parce que bon, forcément, à deux c'est mieux. Donc voilà pour Playing with Fire et Bleach Bones. Alors je vois qu'on parle de prono. Alors, moi, je pense. Alors lâchez vos pronos hein, sur Playing with Fire et Bleach Bones. Ah, moi je verrais hein. Moi je verrais un 3-1 pour Bleach Bones. Moi je verrais un bon 3-1 pour Bleach Bones. Parce que je sais pas trop, mais je pense que Playing with Fire aura peut-être un peu de mal. Et puis voilà, eux jouent. Alors que je dise pas de bêtises, Playing with Fire joue avec un druide heal. Et si ça joue à la durée,
Le druidier, là, ça va être compliqué pour lui avec les pourcentages. Les pourcentages de heal en moins, ça va être compliqué. Et du coup, je donne plus l'avantage à Bleach Buns, qui peut jouer un peu plus sur la durée. Et puis d'ailleurs, ça commence. Alors, c'est bien parce qu'on n'est pas du tout averti. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on a Rin d'un côté, Livin, Sad Story, qui nous ont prouvé leur valeur tout à l'heure, et aussi Looney, Laser Chicken et la Xina, qui voilà, qui ont gagné 3-2, mais qui ont du gros jeu, qui ont une grosse compo. La Xina qui est pas le démoniste le plus agressif, mais qui peut faire très mal. On a un stun sur Rind, un fear sur Rind full. La Xina qui lâche un burst. On a un Dragon Breath, donc souffle du dragon sur toute la team en face. Le trinket est lâché du côté de chez Livin. Un silence cast sur Rind. Rind qui s'est fait close juste derrière. Attention à Livin. Livin qui prend cher. Livin qui essaie de mettre un chip. Un silence sur la Xina. Attention, Livin qui a déjà claqué l'ice block. Ouh, silence cast sur Looney. Looney qui prend un fear, un close sur Laser Chicken. La Xina qui prend cher. La Xina qui prend très très cher. Là, c'est vraiment... Ça part de partout. Oh, attention, le dragon brief. Le bash sur Looney. Looney qui a pas de trinket. La Xina qui peut prendre cher. Un fear sur Sad Story. Ouh, la Xina peut mourir. Looney qui se prend une grosse phase de CC. Looney qui tout à l'heure jouait très très bien avec son trinket. Qui l'a déjà claqué ici. Un clone full sur Livin. La Xina qui a 50% PV. Un chip sur Looney. Un chip full sur Looney. Ça peut devenir embêtant. Rin qui a déjà claqué le cœur du fauve. Allez, un Sad Story et Livin qui n'ont pas le trinket. Rin qui l'a gardé. Stun sur Looney, clone sur Laser Chicken et Deep sur la Xina. Deep pas très offensif. Allez, un Rin qui dispelle les dots. Allez, la Xina qui met un fear sur Livin. Allez, ça continue. Je pense que ça va être des games plus ou moins longues. Livin backpad, j'ai pas vu ça. Rin qui prend cher, attention. Attention, 50% PV, il y a du dot de partout, un fear sur Sad Story qui n'a pas de dot, serait bien de le dispel. Livin qui prend pas mal de dégâts, attention, ça burst sur Laser Chicken qui prend cher, qui a 50% PV. La Xina qui s'est pris un clone, le bash et le shift sur Looney, Looney ne peut rien faire. Fear full sur Looney, normalement il y a le Tremor, le totem qui a été lâché, Laser Chicken qui essaie de lâcher un burst avec les météores et qui prend pas mal de dégâts, qui vient de se faire remonter par Looney. Looney qui a récupéré, qui récupérera son trinket d'ici 40 secondes. Il y a eu un chip du côté de la Xina, Dragon Breath sur Laser Chicken et la Xina qui essaie de burst un peu. Livin qui prend très très cher, Rin qui n'a plus le trinket et qui est clone. Livin a intérêt de courir loin, partir, il se fait remonter. Sad Story qui a 50% PV mais qui n'a pas de dot sur lui, donc ça à la limite ça va. Attention à Livin. Livin prend très cher hein. Ça a l'air d'être le focus préféré de Bleach Buns. Attention, il y a de la bonne pression hein. Playing with Fire c'est mettre de la pression, mais Bleach Buns aussi apparemment. Allez, Laser Chicken qui prend un burst. Il y a le totem le glaive de Looney. Looney qui vient de se faire stun, qui vient de se prendre un fear, qui n'a pas le totem de séisme, qui va récupérer le trinket, qui a récupéré son trinket, qui ne l'utilise pas tout de suite. Allez, ça continue. Un fear sur Livin, un fear sur Sad Story. Chip sur Looney. La Xina qui a 50% PV. Rinjana, attention, 50% PV. La Xina qui commence à descendre un petit peu. Il y a eu un clone sur Looney. Looney qui garde son trinket toujours. Un fear sur Livin, attention à Sad Story qui commence à se prendre des deux. Rin qui n'a toujours pas le trinket et qui s'est fait clone. Attention à la chaîne de CC, un silence sur Laser Chicken. Un fear sur Looney qui a sans doute été très mort. La Xina qui réinvoque son pet. Totem de glaive du côté de Bleach Buns. Attention à la Jar Chicken. La Xina. Livin. Livin qui prend un peu de dégâts. Ah, ça continue. Pour l'instant, il n'y a pas trop de burst d'un côté de l'autre. Ça va encore. Il y a un peu de pression à faire sur Livin. Attention avec le météore. Sad Story qui est en plein milieu, qui est fier en plein milieu. La Jar Chicken qui va en profiter pour balancer des blasts. Allez, un Livin qui part de l'autre côté, Rin qui a dispel une affli, Laser Chicken qui a 50% PV, Looney qui est contrôle, Ship et Fear, ça peut être pas mal pour être une pression sur Laser Chicken, Looney qui n'utilise pas son trinket, Looney qui prend un Dragon Breath, attention la Xina qui a été clone qui n'a rien pu faire, un clone sur Sad Story pour essayer de temporiser, un Fear sur Sad Story, stun sur Rindiana qui a récupéré son trinket, attention aux chaînes de contrôle tout de même. Sad Story qui commence à prendre des dégâts. Beaucoup d'ot du côté de Playing with Fire. Livin qui est full dot, Sad Story qui est full dot à son 50% PV chacun. Rindiana qui n'est pas focus mais qui utilise l'écorce, c'est pas terrible. Il continue, on a un chip de l'autre côté. On a le Dragon Breath sur Looney. Un clone full sur Laser Chicken. Et
un ship full sur Looney. Ça peut être le moment de mettre un bon diff sur la Gina et d'essayer de lâcher un burst dessus. Looney qui est fier et toujours ship. Qui a lâché le Tremor, qui s'est pris un silence sur la Vert Chicken, qui s'est pris un deep. La Vert Chicken qui peut prendre très très cher, qui a lâché l'écorce. Ok, on a eu un stun de Zen du côté de Playing with Fire pour essayer de temporiser. Il y a eu un fire sur Injana. Souffle du dragon sur la Vert Chicken et la Gina. La Gina qui est en âme sombre. On essaie de temporiser son burst. Indiana qui a essayé de lui mettre un clone. Clone qui a été mis pendant 5 secondes. Sa story qui est toujours fier. Qui est fier de Zen. Livin qui essaie de mettre des chips. Chips sur la Gina. La Gina qui vient d'être dispel par son chamanil. Rindiana qui a 30% PV, 40% PV. Qui a claqué l'écorce de fer. Qui se remonte tout doucement. On a un clone sur Rindiana pour empêcher qu'il se remonte. Livin qui a été fier. Sa story qui est ensuite fier. La Vert Chicken qui est un peu tranquille. Qui vient de se prendre un counter spell. Et qui commence à se faire full dot. Rindiana qui est en train de boire. Il ne se remonte pas. Il est tranquille derrière le poteau. Attention, tout de même, faut pas se prendre un fire. Indiana. Allez, ça continue un chiffre sur la Gina qui s'est fait casser par les dots. Sad story 40% PV. Attention à Sad story. Il est en plein milieu de l'arène. Attention, la Vert Chicken qui est tranquille. Sad story qui passe derrière. CS Blanc avec Living qui se prend un clone de la part de la Vert Chicken. Rindiana qui se fait clone derrière. Counter spell sur Laser Chicken. Laser Chicken qui a 70% PV. Ça continue. Dragon Breath sur la Gina. Livin qui prend cher. Livin qui a peut-être récupéré normalement l'Ice Block. On est à moins 5% au niveau des PV. Donc ça va commencer à venir. Je pense que l'avantage. Ça va commencer à pencher du côté de Bleach Buns. Si on commence à rentrer dans les diminutions de points de vie. Allez, hein, Livin qui a 80% PV, Sad Story qui a 30% PV. Attention à Sad, hein, Sad prend cher. Sad est en plein milieu, il est souvent en plein milieu, il prend cher. Il a eu l'écorce du druide. Attention, à la verticale qui s'est pris le Dragon Breath. Livin qui se prend un fear, Livin qui a 30% PV, attention. Rindiana qui a dispel l'affliction instable. Enfin, attention, hein, Livin qui est en plein milieu. Hein, là, moi, je pense que ce serait plus judicieux de back un peu. Parce que regardez, Rindiana prend cher, on prend un stun de zone, tout le monde prend cher. Playing with Fire est très très mal. Ils sont tous à 30-40% PV. Bleach Buns sont très très bien là. Hein. Looney il est bien en termes de mana. Il a son trinket. Looney il joue très très safe avec son trinket. La Rindiana a utilisé la puissance du ressort. C'est obligé de claquer un CD PV. Il a surtout pas intérêt de se prendre un switch. On a un Maddy pris sur la Gina. Pas très offensif. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Close sur Laser Chicken. Un fire sur Looney. Il y a sans doute un séisme derrière. Mais de toute façon, il y a encore le trinket et un totem de Gleb. Rindiana toujours très bien. Toujours très bien qu'il va récupérer son trinket. Bien au niveau de la mana. Looney qui s'est pris un chip. Allez, un clone sur Rindiana. Attention à la pression. Ils sont remontés du côté de Playing with Fire. On est pas mal, hein. On est remonté avec Livy, on est monté avec Sad Story. Au niveau des points de vie. Allez, la Gina qui tombe un petit peu. La Gina qui a 70% PV. Y a pas de gros burst. Livy qui prend des dégâts. Sad Story qui se fait fier pendant ce temps-là. Livy est seul. Rindiana essaie de remonter un peu tout ça. Allez, on remonte. Ils sont bien, hein, du côté de Bleach Buns. Hein, ils sont bien. Livin prend cher. Sad Story prend des stuns. L'écorce de fer est partie sur Sad Story. Livin n'aura pas l'écorce. Rindiana a claqué le trinket sur un clone. Attention, prochaine. Voilà. Si, voilà, il y a encore un clone sur Rin. Si, la prochaine chaîne de CC, ça peut être fatal. Hein, pour Playing with Fire. Surtout qu'on a moins 20% de heal. Au niveau de la mana, ça peut vite fondre. Livin qui a 50% PV, Sad Story qui n'a plus trop de mana non plus. Ça va être compliqué, qui a essayé de lâcher un burst. Laser Chicken qui s'est fait clone, qui a 70% PV. Looney qui est bien, hein, qui est très bien au niveau du heal, qui a son trinket, qui gère bien son thème de Gleb. Il s'est pris un silence blanquette full, 5 secondes. Laser Chicken qui prend cher. Attention, Laser Chicken qui pourrait mourir. Le Dragon Breath et le ship, attention, hein, sur Looney. Mais Looney qui a toujours son trinket. Laser Chicken qui utilise une tranquillité. La Gina qui est toujours à 50% PV, mais qui utilise un burst. Voilà, on a du dot de tous les côtés sur Playing with Fire. Cette soirée qui a pas trop de dot. Mais la Gina qui est l'âme sombre et son trinket burst. Looney qui a peut-être essayé de mettre un Hex, il a juste essayé, il l'a pas fait, il a pris un counter spell à blanquette. Attention, la Vert Chicken qui prend un burst sur un deep. Looney qui avait un CS blanc. Livin qui s'est pris un fear, Sad Story qui avait pris un fear aussi. Qui l'a trinket, il a CS blanquette. Rindiana qui a un clone. Et ça continue, deux souffles du dragon sur la Vert Chicken et la Gina. C'est chaud, hein, c'est chaud, il y a moins 25%. Allez, hein, les cyclones, ça continue. La Vert Chicken.
Ça prend cher hein, du côté de Laser Chicken. On a un silence blanquette sur Looney. Laser Chicken qui peut prendre cher, il prend. Voilà, ça a cliqué la résolution interminable, moins 40% de dégâts. On a pris le portail, on est tranquille, on balance des healing touch. Looney, un petit switch sur Looney de l'autre côté qui s'est pris un deep freeze. La Gina qui a été cyclone. Souffle du dragon sur Looney et la Gina. Laser Chicken va peut-être essayer de mettre un petit clone pour essayer de tempérer un peu tout ça. On avait un badge du côté de la Gina. Living Rindy et Sad qui remonte tout doucement, moins 29%. Et ça peut être compliqué pour Rindiana, surtout au niveau mana. Looney lui est resté très bien. Indiana, ça commence à fondre. Attention, clone sur Indiana. Living qui était obligé de claquer l'ice block. Qui a pris cher. Qui a pris cher sur deux Star Surge. Alors attention à Rindiana. Attention aussi sur Rindiana. Hein. Il s'est fait full dot. Il a toujours le trinket. Il a claqué l'écorce. On a l'écorce de fer du côté sur Living. Sa story qui prend cher aussi. La tranquillité balancée par Rindiana. Pour essayer de remonter tout ça. Ça remonte pas des masses avec le moins 30%. Un blanquet sur cette story. Un fuir sur Living. Du côté de Laser Ticket, on a pris un CS blanquette. Il a 50% PV. Looney est tranquille. Looney prend pas de contrôle. Looney est loin. Looney est dans son poteau. Looney peut soigner tranquillement Laser Ticket. Tandis que Living prend cher. Sa story est encore fear à l'autre bout. Rin n'a plus de trinket avant longtemps. Living vient de sortir de son clone. N'a plus de trinket. Ils ont tous leur trinket du côté de Blitz de chez Blizzbun. Voilà quoi. C'est assez tendax là. Hein. Sad story, attention, sad story qui prend cher, la météore du druide en burst, Living qui prend cher, Living qui va mourir. Living qui a reclaqué un ice block, attention, Looney qui est ship, mais qui reste dans son ship, Laser Chicken qui prend un fear, attention, où Laser Chicken est envoyé, ça peut mal tourner pour Laser Chicken, faire un petit CC sur Looney. Attention, Living qui prend cher, il aura plus d'ice block là, il a plus rien, il peut pas faire ça. Sad story qui prend très cher à la dispersion, qui est sans doute déjà tombé. Sad, il faut vraiment qu'il bouge derrière le poteau. Le fear sur Rin, il a plus le trinket. Voilà, ils sont seuls. Sad, il a pas de hot. Livin, il a pas de hot. Ils sont en train de mourir. Voilà, Livin est mort. Ouh. C'est. À partir du moment où on était à moins 15% de heal, c'était chaud. C'était vraiment très chaud. Pardon, moins 15% hein, déjà, après moins 20%, moins 25%, la mana elle a commencé à fondre du côté de Rind. Alors que du côté du chaman de chez Bleach Buns, on était tranquille. Mais voilà, on était tranquille. Pourquoi? Je pense c'est aussi parce que le druide Eki est là pour assist. C'est pas mal, le portail ça a pas mal sauvé aussi. Le druide Eki il a pas mal de trucs pour tenir. Hein. Il a le sort de symbiose avec le démoniste, donc ça c'est vraiment génial. Eh ouais, non mais voilà, comme dit Winston, là, ils peuvent pas perdre Bleach Buns, ils mangent des Godcomb tous les matins. Ouais, c'est clair, hein, on dirait qu'ils s'en faut au petit-déj, quoi. Hein. Ils ont pas pris de pression, ils ont pris un ou deux bursts à un moment, à la limite, s'ils avaient pas eu de chance, bon, ils auraient pu mourir du côté de chez Bleach Buns, mais là, non. Non, c'est pas passé. Il manque peut-être un peu de burst, il manque quelque chose, c'est la compo qui est pas bonne, hein, au niveau de King of Fire, par rapport à eux, mais... Voilà, dès le moment où on n'arrive pas à tuer Bleached Buns dans les 5 premières minutes, ça commence vraiment. Ça, c'est vraiment compliqué quoi. Et Amandesley qui dit ça a l'air beaucoup plus technique que le football. Ben oui, c'est beaucoup plus technique que le football. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus technique. Du moins du point de vue des commentaires, il y a beaucoup d'informations. Donc là on voit hein, quand Livin meurt, y a pas grand chose, hein, c'est pas beau, enfin c'est pas exceptionnel. C'est voilà quoi, ils sont tranquilles, ils sont full vie, on a du dot de partout et puis ça meurt tout doucement. On va dire que c'est compliqué quand on essaie de parler. Je vais essayer de faire un effort. Et oui, voilà, hein, les mages qui prennent cher, mais une fois que les ice blocks sont utilisés, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, je t'ai cité Mandesley, je peux citer tout le monde, hein. Je peux citer XZL, Zess, XXFMRXX, Ulysse 13, Big Up, Trival 76, je te kiffe, Winston, Panda Bisou. Ouais, je peux tous vous citer, les gars, petite dédicace. Allez, donc on voit nos amis les joueurs, bah voilà, hein, là, ça va être compliqué. C'est vrai que Sokar, il aurait aimé voir ça. Lui, il tient pour Bleach Buns. Il pense que Bleach Buns va gagner la BlizzCon. C'est vrai que c'est une grosse compo, embêtante, hein, quand on tombe sur cette compo, c'est embêtant. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de calques, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, envoyez les cœurs, j'aime bien les cœurs.
Et ouais, y a pas eu de, y a pas eu beaucoup de cac. Tu me dédicaces Xtase. Bah, Xtase, bah, dédicace alors. Allez, bisous. Allez, ça reprend tout de suite. Allez, non, c'est pas la 6-0, on est en 5.4.8. On s'en a été un peu. Ça aurait été un peu compliqué. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas les. Ah, mais non. C'est n'importe quoi. On est à 1-0 pour Bleach Buns. Allez. Est-ce qu'on va passer le 3-0? Moi j'ai vu un 3, hein, mais le 3-0, c'est possible. Là, au vu de la première game, c'est possible. Eh oui. Problème de mobilité pour les cacs. 3 amigos vont win, on verra. Allez, un clone sur Livin. On recommence tout doucement. Un tir sur Satsuri, Rindiana, attention 50% PV. Il dispel, c'est normal, ça dispel l'affliction instable. Allez. Allez, on a un clone sur Rindiana. Voilà, un petit clone, ça balance du dot de partout. La Jinx s'est pris un chip. Le cyclone de la Chicken qui balance de la météore. Livin qui prend cher. Attention à Livin. Oulala, Livin. Livin qui claque l'ice block. Et le fear sur Rindiana qui a toujours son trinket. Et sa story qui avait pris un fear aussi. Ça commence bien pour Blishbans. Première bonne attaque. Libé et le trinket du mage sont partis. Ça c'est pas mal. Looney a toujours son trinket. Hein. Bien sûr, il n'y a pas eu de pression du côté de chez Blishbans. On est bon, on a du dot de partout là, hein. Là la Gina commence à reprendre du poil de la bête. On a du dot, on a un petit clone sur cette story. On a un polymorphe qui va être envoyé sur la Gina qui était ship. La Verchicken qui est dot toujours. Playwing Fire reprend, on a plus trop de dot. Rind a fait son boulot de heal. Levin qui prend un blanquette. La Gina tranquille. La Vertican blanquette, la Gina, Dragon Breath sur le Fear. Allez, ça continue. Livin qui. Voilà, qui prend cher, mais c'est un mage. Hein. C'est comme le Ward tout à l'heure. C'est... Il est souvent à 60-70% PV. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les Ice Blocks. Hein. Un clone sur Livin. Fearful sur cette story qui a été dispel par Rindiana. Rindiana qui a tout dispel, qui s'est pris un silence. Allez, Dragon Breath sur la Vertican et la Gina. Allez, Fear de Zone sur la Vertican, Fear Zone sur la Gina pendant son burst. Rindiana qui est clone, mais il y a toujours Trinket. Livin qui prend cher, mais qui a encore des hots. Ça va aller, allez, faut que Rindiana remonte ça derrière. Looney qui se prend un mini stun. La Gina qui réinvoque son pet. Looney qui se prend un clone. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un petit burst sur la Vertican ou la Gina pendant le clone Vertican qui essaie de lancer un clone sur Livin qui avait l'écorce de fer. Cette story qui continue toujours à essayer de dot de son côté. Rindiana qui fait son boulot de heal. Attention au placement. Alors Livin qui essaye de ship, qui ship la Gina. Ça c'est vraiment dommage, un ship sur la Gina. Et cette story qui touche la Gina juste derrière, ça c'est vraiment dommage, ça fait perdre un DR. La Gina qui se fera un clone. Et ça continue, cette story qui a 50% PV. Ça continue, hein. Et cette story 50% PV, fear 2 zone, clone full sur cette story. Il y a toujours le trinket, Rindiana a claqué son trinket. Il a pris un fear 2 secondes, Dragon Breath sur de Lazar Chicken. Et la Gina reclaque un burst là. Hein. Il va y avoir du dot de partout. Livin est à 50% PV. Il y a le hanté, il y a toutes les dots. Il y a counter spell sur Livin. Attention, Rindiana qui prend cher aussi. Rindiana qui vient de se prendre un clone full et qui est full dot. Qui n'a pas trinket. Attention à Livin, attention à cette story. Il y a un chiffre sur la Gina qui s'est fait dispel. Ils sont vraiment tranquilles à Blizzband. Il faut vraiment qu'ils enfoncent maintenant les joueurs de chez Playing with Fire. On peut essayer de tomber le mage. On peut essayer de tomber Rindiana. On peut essayer de mettre une grosse chaîne de CC. Cette story qui est aussi à 50% PV. Qui se prend un clone derrière la Gina. Qui se prend un counter spell. Ce serait pas mal si la Gina arrivait à faire du swap dot sur cette story. Laser Chicken. Qui est tranquille hein, de son côté. Oh là, Rindiana qui a pris un Fearful. Sa story qui prend très très cher et qui meurt. Voilà, voilà sur le Fearful. Donc là, c'est grosse chaîne de CC sur Rindiana. Bon, prochaine, il y a eu une première chaîne de CC. Ça a mis la pression. Il y a eu un. Voilà, le DR du Fear est juste parti à ce moment-là. On a eu le Fear de Zone sur le Druid. Le Druid peut rien faire. Sa story n'a plus rien. Ils étaient tous à 50% pendant toute la game. Ils les ont juste enfoncés. Là, ils les ont juste enfoncés. Blanquette, c'est un CS qui est pas placé sur un sort. Voilà, Blanquette, c'est... Donc, le CS sur un sort, si je mets un sort de CS sur un sort d'ombre, la personne ne peut pas lancer de sort d'ombre pendant 6 secondes. Par contre, si je mets juste un Blanquette, donc un silence sans que la personne lance un sort, voilà, le silence dure 2 secondes, en fait, 2-3 secondes.
Fais-moi Olivine a des placements un peu bizarres. Je parle de son placement. Bah écoute, alors des fois je vois pas tout au niveau du placement parce que ça change de scène, etc. Voilà, mais c'est vrai que des fois, je sais pas, je crois que c'est Olivine, ouais, mais il y en a quelques-uns des fois qui sont un peu trop exposés, je trouve, par rapport à la situation de la partie. Donc voilà, Gubiz, j'espère que ça a répondu à ta question au niveau de la blanquette. Et non, c'est pas un plat, Mandesli. Mais ça pourrait l'être. Hein. Ah, tu comptes sur Skillcapt? On verra, hein, on verra ce que ça donne. Ah, LSD2 se renvoie. Hein. Les pauvres peuvent rien faire. Bah oui, là. Là, c'est un peu triste pour eux, même. Hein. On a vraiment l'impression que là. Il y a aucune pression mise sur le druide, sur le démo, sur le cham. Ils sont. Voilà, ils dominent, hein, ils dominent ce match-up. Il y a rien d'autre à dire. Hein. Pour l'instant, c'est dominé. C'est un peu la pression du côté des joueurs, ils sont un peu dégoûtés, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, je parle de son placement. Non, il est obligé d'avancer. Yo Thomas, yo Vlad. Ben, dédicace à Thomas, dédicace à Vlad. S'il avance pas à Livin, il va rien se passer. C'est sûr aussi un roi. Hein. Prendre des risques. Fait des moves bizarres, mais c'est peut-être moi. Je peux pas te dire. J'ai pas trop fait attention à ces moves, mine de rien. Ouais, mais je pense que c'est dû au cast. Par contre, attends, Mop, je vois pas de quoi vous parler. Ah, t'es Mop, tu vois pas de quoi vous parler. Je vois pas de quoi tu parles non plus, FM. T'expliquais quoi, FM? Est-ce que le patch de WoD. Non, c'est pas le patch de WoD, là, c'est le patch 5.4.8, là. Alexandre, tu as plus d'infos que nous sur les games, combat, log en real time, où tu commentes juste en regardant le fluide Blizzard. Là, j'ai pas plus d'informations, donc j'ai pas le combat log ou les dégâts, etc. J'ai le flux officiel du week-end pré-BlizzCon. Alors, par contre, ça c'est la game d'avant. Parce que. Pourquoi je veux toujours Bleach Bones avec 1? Bon, apparemment, c'est peut-être pas la game d'avant, c'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est reparti. Donc, Sad Story qui a 50% PV qui se prend un clone. Ça m'étonne, pourquoi il n'y en a pas deux? C'est pas grave. Alors, un Fear sur Rind. Fearful sur Rind. Laser Chicken qui prend un CS. Ça commence bien sur Laser Chicken, mais Livin prend cher derrière. Livin qui essaye de soigner un petit peu. Laser Chicken qui prend cher, il y a moyen de mourir. Hein. Looney qui s'est pris un counter spell. Attention là, hein, ça peut être très chaud, ça part vite. Laser Chicken qui a claqué le cœur du feu pour essayer de se remonter. Livin qui prend cher. Hein. Attention à Rinnia, il a toujours son trinket per Ringana. Il faut vraiment que tu remontes Livin. Là, une écorce de fer dessus. Livin qui se prend un clone. Libé n'a pas été lâché. Il aurait pu. Laser Chicken qui est bien remonté. Et le cœur du feu qui a été lâché. Oh. Allez, hein, Laser Chicken qui se prend un counter spell à blanc. Allez, Ajina qui se fait ship, qui ne se fait pas dispel. Pas pour l'instant, Livin 50% PV. Et ça a commencé bizarrement, effectivement. Surtout qu'on n'a pas les deux victoires de Bleach Bones au-dessus. Donc c'était assez bizarre. Allez, Livin qui prend cher là, attention. Hein. Peut-être que Bleach Bones là va s'énerver un petit peu. On se dit maintenant c'est nous les boss. On a dominé les deux matchs, on va plier ça. Allez, on a un clone. Clone sur Livin. Clone sur Livin. Rin qui se permet de dispel. Attention à Rin. Attention à Livin, il faut vraiment remonter là. Hein. Laser Chicken qui lâche le météore, qui fait plaisir. Ouh là là, Rin qui n'a plus de trinket, qui a un clone. Livin peut mourir. Livin peut mourir maintenant. Rin Dianos, il peut y avoir un switch sur Rin. Ouh là là, Rin qui prend un Fearful. C'est la fin de Livin pour moi. Attention, cette souris qui prend aussi du dot. Rin Yana qui risque de se reprendre encore. Du CC qui est là-bas, qui est exposé sur le côté. Il y a un Fear de Dawn sur Livin et Sad Story qui sont tous les deux à 50% PV. Re-affir sur Rind. On est très. Voilà, on est tranquille du côté de chez Bleach Bones. On essaie de placer des clones du côté de Laser Chicken. On a un Silence Blanquette du côté de Rind. Sad Story qui a eu l'écorce de fer qui descend vraiment. Rind qui se permet encore de dispel l'affliction instable pour essayer de temporiser. Rind qui essaie de mettre un Cyclone qui joue quand même un peu offensive. Lajina qui est clone qui n'a plus le trinket. Sad Story qui est à 40% PV. Allez, ça continue. Ils ont repris, hein. Il aurait pu mourir la Livina, hein. Clairement. Sad Story qui prend cher sur Sad Story et Livin. Fear the Zone, Livin qui claque le trinket, Fear the Zone sur Sad Story toujours. Blanket sur la Gina, stun sur Looney. Clone full sur la Gina. Livin qui lâche l'Alter Time. 50% PV. Il est sous clone.
Fat Story qui a Trinket Airfear, Rindiana qui va bientôt récupérer le fier, la Vertiken qui a 50% PV, attention à la Vertiken, Looney qui a toujours son Trinket, attention, Fear, il ne claque pas le séisme, la Vertiken 50% faut faire, attention au Burst, Looney qui se prend à chip, Fat Story qui est Oum, qui prend très très cher, qui risque de mourir, Rindiana qui a toujours pas son Trinket, qui va bientôt le récupérer et qui prend des CS et une chaîne de CS incroyable, Living qui prend très très cher et qui prend des Fear aussi, Fat Story qui se mange un Cyclone. Ils sont très 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 mal. La Gina qui est dans le chip, ils sont un peu cessés là du côté de chez Bleach Buns. On a du Fear, on a du Clone, on a eu un Fear et un chip sur la Gina, mais ça va revenir. La Vertiken qui se prend un dip et qui met une écorce tout de suite pour ne prendre aucun dégât, qui la joue ultra safe. Fast Story qui prend un blanquette. On continue. Looney est vraiment très très bien. Je trouve que c'est merveilleux ce qu'il fait avec son Trinket. Hein. On continue, allez, Sad Story, 50% PV, il y a toujours une grosse pression, hein, qui plane sur Playing with Fire. On a un clone sur Levin, on a un Fearful sur Ring qui a récupéré son Trinket. Un souffle du dragon sur la Vertiken, un X qui part du côté de Looney sur Levin. Levin qui est X, Ring qui est clone, Sad Story qui prend cher, Sad Story qui est Fear. On a du contrôle de tous les sens, c'est vachement bien mené du côté de chez Blizzbone. On a un Fear de Zone, Ring qui est encore Fear de Zone, qui a récupéré son Trinket. Hein. L'écorce de fer lâchée sur Sad Story. Allez, on continue, ils sont tous à 50% PV, ils vont prendre très très cher là. Un clone sur Levin et un Fear en même temps. Rin qui prend très cher aussi, qui a claqué une écorce. Cette soirée qui a aussi l'écorce de fer qui vient de disparaître. Les dots, la Gina qui va sans doute encore balancer ses dots. Levin qui prend cher, c'est Rin qui essaie de remonter tout ça en tranquillité. Allez, Levin qui prend des blanquettes, qui prend cher, qui a normalement récupéré l'ice block. La Gina qui a pris un dip défensif qui ne prend aucun dégât sur le dip. Levin qui prend très très cher, un chip sur la Gina, Looney qui va lui dispel, un Fear Zone sur Levin et Sad Story qui claque tous les deux leur trinket, Rin qui est très bien, qui a encore son trinket, mais attention, on prend très très cher, et puis là ça va commencer à être pas mal pour Bleach Buns, on voit déjà moins 1% au niveau du heal, ça va aller en s'aggravant de leur côté. Clone full sur Indiana, il a toujours son trinket, un Fear sur Sad Story, Levin et Sad sont très bien en termes de points de vie. Allez, attention à Levin. La Vertiken est Fear. Elle se fait dispel par Looney. La Gina essaye de Fear. La Gina se fait Fear. Allez, Levin toujours. Levin 80%. Rind qui prend le clone. Sad Story qui a 70% PV. La Gina qui prend un petit burst hein, de macho. Un bash qui est parti sur Indiana. Mais voilà, l'ascendant a été claqué du côté de Looney avec le trinket. Ça leur a pas fait peur. Hein. Ça leur a clairement pas fait peur. Là, on est à moins 7% au niveau du heal. Si la Gina et la Vertiken gèrent les dots, ça peut vraiment être compliqué pour Playing with Fire. Hein. Ça a déjà été compliqué sur la game. Ça peut être très très compliqué. Ouais, la Gina a eu chaud, hein, mais ça a monté très vite avec Looney. Allez, Rin qui claque son trinket sur un premier clone. Attention à la chaîne de CC Larger Chicken qui est en clone. Ça continue. Attention, le dip sur Larger Chicken. Larger Chicken peut prendre très cher. Looney qui n'a pas de trinket. Attention au l'horrifié sur Looney. Larger Chicken qui peut mourir. Le fear sur Looney. Le shift full sur Looney. Larger Chicken peut mourir. Allez, on a 3 secondes pour tuer la Vertiken. Est-ce que c'est possible? On a un counter spell sur Rindy, cette story qui est Oum. La Vertiken qui se remonte, qui est derrière son poteau, tranquillement. Qui a su cela jouer, voilà, sans pression, on part derrière, on se heal. Levin qui prend chez lui. Ouh, Levin qui a claqué un instant block, qui a pris très très cher au niveau des dots. La Vertiken qui est toujours aussi mal. Alors attention, on est à moins 14% au niveau du soin. On a un clone de lancer sur Rind. Rind a claqué une écorce. On a un fear sur Looney qui a utilisé le Tremor. Et la Gina, il faut que tu mettes des dots. Les dots sont sur Levin, sur cette story. C'est pas mal. L'écorce de fer sur Levin. Silence sur la Vertiken qui essaye de mettre un clone. Tranquillité de Rin pour essayer de remonter toute l'équipe de Playing with Fire. On est à moins 16% au niveau du heal. Ça va commencer à être compliqué pour Playing with Fire. Ils tiennent tête, mais ça peut être compliqué là. On a un dip sur la Vertiken. Ouh là là, Levin qui prend cher. Levin qui prend très 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 cher. Attention, Levin qui part derrière son poteau. On va voir si Levin fait vraiment des erreurs au niveau de son placement. C'est vrai qu'il faut qu'il bouge. Il s'avance un peu l'ennemi, il passe de l'autre côté. On a du dot.
Ok, Playwing Fire sont pleins de dots. Du côté de chez Blitzbun, c'est tranquille. Rin qui continue de dispel. Écorce de fer sur Sad Story qui est totalement oom. Un Fear sur Livin. Livin qui essaye de ship. Fear de Zan sur Looney et la Gina. Ship full sur Looney qui a toujours son trinket. Burst sur la Vier Chicken. Attention, oulala, bash sur Looney. La Vier Chicken qui peut mourir. Puissance d'Urzok, PV, Looney qui claque son trinket, ça va remonter, ça va remonter. C'est joué comme il faut. Looney qui n'a pas le trinket et qui a un silence 2 secondes. Laser Chicken, il faut que tu tiennes avec le cœur du fauve. Et là, voilà, c'est tranquille quoi. Il fait le café avec le cœur du fauve. Hein. Il l'a encore. C'est bien joué, hein. C'est bien joué de la part de Playing with Fire. Ils avaient, mais voilà quoi, du côté de chez Blitzbun, ils avaient encore ce petit truc en plus. Ils avaient le druide qui. Voilà quoi, c'est ça fait la différence, hein. Une grosse assist comme ça, c'est ça fait la différence. Allez, ça continue, c'est remonté des deux côtés. Sauf que là, il va peut-être y avoir. Voilà, oula, Rin qui prend cher parce qu'il dispel et qui est full dot. Attention, parce qu'on est à moins 26% au niveau du heal. Hein. Plus ça avance, plus c'est chaud pour Playing with Fire. Allez, ça continue, un fear sur Sad Story. Souffle du dragon sur Laser Chicken, Shift sur Looney, hein. Looney qui est Shifu, attention à la chaîne de contrôle, la Gina qui claque un peu de ses débuffs. Ouh, Laser Chicken qui peut mourir, qui a pris le portail je crois. Ouais voilà, Laser Chicken qui a pris le portail, qui est parti à Bagdad, qui va se remonter seul, qui va compter sur ses mates maintenant. Voilà, il essaye de se remonter. On espère. Ouh là 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 là, cette story qui fonce sur Laser Chicken. Oh là là là, l'écorce qui est lâchée sur Laser. Looney qui a encore contrôle et Laser qui remonte, c'est dingue. C'est dingue, le portail, le soin. Cette story, voilà, il a foncé sur Laser Chicken, ça n'a pas suffi. Et Livin qui prend cher. Livin qui prend cher, Rindy qui prend cher. Cette story qui est full dot. Attention à Rindy, il n'a pas intérêt de dispel. S'il dispel, il est mort. Il a une écorce, on essaie de tenir un peu. Souffle du dragon sur Laser Chicken et Looney. Fear full sur cette story. Oh, il y a un clone sur Rin qui a trinket. Attention à Livin, Livin qui est derrière le poteau qui essaye de se soigner. On a moins 33% de heal. Hein. Laser Chicken est chaud et très 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 chaud. Voilà quoi, en mode poulet il est parti. Il s'est soigné, il revient, il met de la pression. La Gina qui se fait ship. Allez, Rin qui essaye de mettre un clone sur la Gina. Cette story qui prend très cher, qui prend un blanquette. Cette story qui est très très mal placée. La Vertiken qui prend un deep. Prend pas très cher la Vertiken sur le deep. Looney qui est silence. Attention à la Vertiken. À la Vert tout de même. Hein. La Vert qui claque un CD. On a un clone sur Livin. Cette story qui est fier à Bagdad en plein milieu de l'arène. Rin qui n'a pas son trinket. Qui est encore bien niveau mana. Mais attention à la Vertiken qui est toujours à 50% PV. Looney qui a pris une chaîne de CC. Mais qui a toujours son trinket. Qui lâche l'ascendant. Attention, ils prennent tous cher, on a moins 38% de heal, il y a la blanquette sur Rindy, Livin a dû claquer son ice block. Sad story qui a 40% PV, Livin qui a 25% PV, Rin qui a 50%. Et la tranquillité qui est lâchée, mais avec moins 40% de soin, ça va être compliqué. Le stun de zone est lâché, Laser Chicken, voilà, il se gêne pas quoi, hein. Il balance les météores, il se fait counter spell sur le cyclone. Ils sont très très bien du côté de chez Blitzbuns, hein. ça bouge pas, il y a eu quelques petits verres sur Laser Chicken, mais ça bouge pas. On a un chip sur Looney. Allez, un fear sur Rin. Rin qui peut prendre une chaîne de CC là, hein. Ça peut être très dangereux parce qu'il a pas son trinket. Allez, Sad qui est full hot et qui avait l'écorce. Laser Chicken qui peut prendre cher, hein. Faut faire attention, hein. Laser Chicken est descendu du bas quelques fois. Livin qui est dot, Looney qui essaie de mettre un X. La Gina qui était clone. La Vertiken 50% PV toujours. Attention, ça peut très vite se retourner. Rindy qui s'est pris un clone. Sad Story, 50% PV. Allez, ça continue. Un silence blanquette sur Looney. La Vertiken, bien, givre gueule. Horrifié et fier sur Looney. Totem de séisme. Sad Story, 50% PV. Attention à Rindy, hein. Rindy prend cher là. Rindy claque l'instant. Oui, l'instant il a pas été fameux avec les moins 46% de heal. Allez, hein, c'est la dernière ligne droite pour Blitzbuns. C'est marqué 1-0, mais normalement ça fait 2-0 pour Blitzbuns. Normalement c'est le 3-0, c'est la demi-finale assurée. Et ça c'est vraiment bien. Allez, hein, Livin qui prend cher. Rindy qui prend cher. Sad Story qui prend cher. C'est pas que je suis contre Playing on Fire, mais là c'est très mal parti pour eux. Surtout avec les moins 50% de heal jusqu'à.
coup allons-nous aller? Ça va plus durer très longtemps, Sad n'a plus de mana, Sad se fait fear, Livin est à 30% PV, Rind est, voilà, Rind est en train de tomber du côté de chez Bleachbuns, on est très très bien, l'Azer prend un peu de dégâts, Looney prend un silence, attention à ça aussi, Counterspell sur l'Agina, Livin, Sad, ils sont très 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 bas, Rind pareil, Rind qui a lâché l'écorce, il a plus l'écorce, on a Libé de lâcher du côté de chez Livin. Encore un Fear, Sad Story qui va mourir, il a plus de mana, il a plus de vie, Rin qui se prend un clone full. Oh là là, c'est très très compliqué, ils peuvent pas mettre la pression à moins 52% de heal, stun de zone, Livin va mourir, ou Sad Story va mourir. C'est terminé pour Livin. C'est terminé pour Livin, et bravo à Bleachbuns. Alors normalement, je sais pas trop ce qui s'est passé sur le démarrage sur cette game, c'était un peu bizarre, ouais c'était intenable pour eux, de toute façon, pour Playing With Fire. Normalement c'est 3-0 pour Bleachbuns. Normalement, on est d'accord, hein, j'ai pas rêvé. Sur l'écran on a vu 1-0, donc normalement 0, mais voilà, il y a bien eu 3 victoires de Bleachbuns. On va attendre un peu, on va voir ce qui se passe. J'ai pas l'impression de voir les joueurs sauter de joie. Bon là forcément non, ils ont perdu, c'est Playing With Fire. Ils ont pris assez cher. Je pense que la compo là ça a joué aussi beaucoup hein. Fake Soccer aurait pu donner un avis un peu plus d'expert peut-être sur la question, mais voilà, c'était vraiment dur pour eux hein. Ils avaient tout le temps une pression, c'était compliqué d'avoir un focus, très très compliqué avec le Druideki qui est vraiment très très fort au niveau de voilà quoi, au niveau de l'assist. Le deuxième n'a pas compté. D'accord, ils ont dû recommencer et le deuxième a été invalidé. Ok, merci pour la petite précision, j'avais pas eu ça, donc dans la logique 3-0, mais finalement non. Donc là on voit moins 51%, et puis bon là voilà, hein, rien à dire, hein, ça tombe, on a alors, puis en plus le fear de zone. Pourtant on a des hot hein, sur Livin, mais ça suffit pas, moins 52% de heal, c'est pas possible, les dégâts... Voilà, les dégâts restent ouf, donc on a Roar qui trouve que la LS2 a bien joué, c'est vrai, la God Comp a mal joué, ça se défend, mais voilà quoi, c'est vrai que c'était clairement dominé par la LSD2. Et je vois que Roar est pas mal suivi d'ailleurs sur la question. Et là ouais c'est clair, ils ont clairement achevé leurs ennemis sans pitié. Hein. C'était vraiment vraiment pas mal de ce côté-là. D'ailleurs c'est... voilà quoi, ma petite peluche est... Waouh, elle est en mode LSD2, c'est beaucoup trop fort. Non mais c'est vrai, beaucoup trop de pression, c'était vraiment intenable. Moi je me dis, faut se mettre à la place des joueurs aussi. Ça doit être dur. Parce que ils tiennent, et franchement ça c'est... Bon bravo à eux, hein, de tenir aussi longtemps. Mais c'est dingue, on voit pas la fin quoi. Ça doit être horrible pour eux, il n'y a aucun moment où ils arrivent à ressortir le truc, c'est vraiment ouf. Et allez, on part tout de suite. Voilà, ils font les matchs rapidement. Allez, go. C'est parti. Alors peut-être le 3-0 ici du côté de chez Bleachbuns. Allez, on part. C'est parti. Ça joue tranquille, ça pose les dots. Clone sur Livin, clone sur Laser Chicken. Le portail est posé. Allez hop, on est tranquille. On est bien. Sad Story a claqué un trinket. Moi je pense que ce sera une victoire pour Bleachbuns. A voir sur la map. Mais là en plus, eux ils ont le portail sur cette map. Playing With Fire n'ont pas de portail. Une fois qu'ils seront au milieu, ça va être compliqué. Attention, Looney qui prend cher. Looney qui est le focus. Hein. Looney qui est le focus de Sad Story et Livin. Looney qui a pris cher. Ouh là là, attention, ça peut tomber. Ça peut tomber. Looney qui a pas claqué trinket. Looney qui a eu le proc PV. Looney qui prend cher, Looney qui claque l'ascendant. Looney en plein milieu. Ok, Looney qui remonte. Laser Chicken qui a lancé le corps du fauve pour essayer de soutenir son pote. Il y a eu un clone sur Rind. Silence sur Livin. Livin qui commence à prendre cher, 50% PV. La Gina. Âme sombre, il y a du Fear. Allez, Rind qui se prend un Fear. Sad Story, 50% PV.
Allez, on continue. Un CS sur Looney. Ça continue sur Looney, hein. Ça veut focus Looney, hein. On a un deep freeze sur Looney, là. Allez, ça story, attention à ça story. Rin, attention. Rin qui... Oulala, counter spell de Rin sur son clone. Attention à ça story, parce qu'il n'y a aucune hot et Rin n'a pas de quoi soigner, là. On a eu un fear sur sa story. Attention à Rin. Levin qui a remonté. Voilà, Looney qui servait un peu de cible et qui a su garder son trinket. Et le totem de lien d'esprit. Laser Chicken qui est pas mal, il n'a plus son cœur du fauve. Allez, hein, Rind qui est Fearful. Fearful qui claque pas de CD, qui claque pas de trinket. Sad Story qui prend du dot. Il y a du dot un peu partout, du côté de la Gina. Ouais, la Gina qui se met en mode tourelle. Levin qui prend cher, Levin qui prend très très cher de la part de Laser Chicken et la Gina. Waouh. Mais alors, problème. Alors je sais pas, c'est tellement terminé. Problème technique, déco. Ou parce que j'ai vu les deux gars partir, je sais pas, je pense qu'il y a eu un mort, hein, de toute façon, mais est-ce qu'elle a compté? Je pense que oui. Mais c'était assez dingue, on va voir le replay. Ouais, moi je vois Levin tomber aussi, hein. Levin tomber rapidement, mais c'est juste que j'ai vu tout le monde partir d'un coup et l'image a vite coupé. Donc je ne sais pas s'il y a eu un petit souci de ce côté-là. Apparemment ça a peut-être été buggé. Par contre ça va commencer à être abusé parce que finalement on va finir sur, même si avec deux matchs buggés, on va finir sur du 5-0 de Bleach Buns, quoi. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de refaire? Il recommence. D'accord, ils ont stop de jouer. D'accord, apparemment un PC a freeze. Ok. Donc ça va reprendre ce côté là. D'accord. Non, ça marche. On va voir ce que ça donne. Ah, tiens, la petite vidéo super sympa pour ceux qui connaissent pas l'arène. Waouh! Ah, qui explique les cooldowns. Voilà, les CD défensifs. C'est bon, ça fait, hein, ce petit truc là, pour expliquer aux gens. Je sais pas comment vous avez appris l'arène, hein. Je connais pas vos niveaux, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos niveaux sur le chat en attendant le vrai match de 3-0, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'au début, l'arène, quand on commence, c'est quand même compliqué. On comprend pas, on n'est pas forcément avec des gars au micro. C'est vrai que les premières expériences, c'est un peu compliqué. En plus du fond, on est souvent obligé de jouer en glyph de métamorphose avec les dots, tu m'étonnes. Mais j'ai pas vu le gars avec son clavier, hein. J'ai pas vu. Alors après, c'est vrai que c'est des petites vidéos pour les débutants, hein, quand même. Le moine DPS et le SP ou Afli peuvent faire des trucs qu'ils n'ont pas dans le tournoi. Tout à l'heure, ils se sont bien battus. C'est vrai que le moine est fragile. Le man est fragile, il s'était bien battu tout à l'heure. Mais il peut avoir une chance, hein. Ça va être compliqué. Ça va être franchement compliqué. Mais ils ont une chance, hein. Ils ont une chance. Clairement, tout à l'heure, ils ont joué contre Bleach Buns, hein, normalement. Ils ont perdu 3-2. Ils ont quand même fait 2 victoires. Ça, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Merci Mandesli. C'est gentiment Desli. Ok. Moi j'ai hard try et je me posais des questions quand je perdais. Ouais, c'est la bonne technique aussi, hein. Moi j'avais un pote Glad qui était super sympa avec moi, qui m'apprenait. Alors si vous voulez, moi je voulais Druidfer, c'était à BC. Pour l'anecdote, et c'était super sympa parce que le mec, on allait en arène. Au début, je disais, mais on gagne pas, c'est trop nul. Il me disait, mais non, t'as pas compris. Genre, le but, c'est que tu survives. Donc, si vous voulez, c'est que je me positionne vachement bien, en fait. Il voulait que je joue avec les poteaux, tout ça, parce que moi, les poteaux, je trouvais que c'était un décor, quoi, à la base. Hein. Je me disais, ça sert à rien. Je disais, non, viens, allez, hop, tourne autour du poteau. Là, tu passes d'un côté, tu passes de l'autre, tu regardes où il est, t'essayes de. Voilà, quoi, t'essayes de partir loin du mec, t'essayes de faire attention à tes coéquipiers. Donc c'était pas mal. Alors normalement c'est Bleach Buns qui a win, mais apparemment il y a eu un bug. Comme par hasard, bon voilà quoi, il y a eu un bug au moment où Levin était en train de mourir. Et là on attend le match. Donc le match va recommencer. Alors j'ai la première expérience de Delanka, je suis allé en arène en décassant, je me suis fait démonter en 2 secondes. Ah bah ouais, la première expérience c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, faire les poteaux c'est lâche, mais bon. Et puis finalement, moi j'ai ma grande période en druide feral
Ah, j'ai adoré les poteaux, hein, parce que enfin, tu te déformes, tu reformes, t'as pas de ralentissement et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, tu bouges partout, t'es d'un côté, t'es de l'autre. Combien de fois aussi j'ai réussi à. C'est vrai que j'étais très content, mais ça c'est grâce à la classe de Druid Feral, hein. En 3 contre 3, ou même en 2 contre 2, à terminer des 1v1 ou même des 1v2 grâce justement au poteau en Druid Feral. Parce que je courais plus vite que les gars autour du poteau et puis ça me donnait un avantage monstre. Et pour la régène, etc., ça c'était vraiment pas mal. Il lui restait un deuxième bloc à Livy, faut pas dire ça. Bon, ok, Roar. On va donner ça. Ils ont pas l'air contents, hein, là, du côté de chez Livy. Ils font une sacrée tête. Je vais vous le mettre, hein. Ils font une sacrée tête. Ah bah, fou, au moment où on passe sur Bleach Bans. Ouais, si tu veux monter, c'est sûr que les poteaux, c'est obligatoire, hein. Puis, bon, puis après, à force, c'est beaucoup jouer avec tes mates, voir où ils sont. Voilà, quand t'arrives à choper tout le temps le trap de ton mate ou un truc comme ça, c'est super. Allez, ça recommence. Ça recommence. C'est parti. C'est parti. Allez, ça va poser le portail. Moi, je sens le 3-0, hein. Je sens le 3-0. De toute façon, pour moi, c'était 3-0 déjà. Hein. C'était bien parti. Allez, Satsuma qui prend un Fear. Brune qui est pas mal. Laser Chicken, Fear. La Gina qui lâche du burst qui était en plein clone. Rin qui relâche un clone sur la Gina le temps de son burst. Laser qui est encore Fear. Rin qui se prend un clone full. Alter Time du côté de Livin. Attention, Looney. Oh là là, Looney qui a pris très très cher. Ouh, Looney qui a pris très très cher, qui a pris deux, enfin, une ou deux pyros, qui a claqué du CD, qui met son proc PV. Sad Story qui prend un Fear. Looney qui a pris très cher, hein, qui a claqué son Trinket. Faut faire attention parce que là, les Playing Fire sont pas très contents. Livin prend cher, alors attention, Sad Story aussi. Rin qui a déjà claqué le cœur du fauve. Laser Chicken a lâché aussi le cœur du fauve pour soutenir Looney. Livin qui a pris un clone, qui n'a plus le Trinket. Rin qui a toujours le Trinket, lui de son côté. Sad Story pareil. Pas mal, hein. On a un Fear sur Laser Chicken et la Gina. On a un Diff sur Looney. On essaie de lâcher un Burst sur Looney. Looney qui peut prendre très très cher. Attention, Riffy sur Looney. Ouh, le clone sur Laser Chicken. Looney qui prend cher et qui prend le portail. Faudrait vraiment que Looney parte. Ouh, Looney qui est clone. Attention, peut-être un totem lien d'esprit juste derrière. Il va y avoir du Fear. Un Fear sur Sad Story. Voilà, un totem lien d'esprit qui a été lâché. Laser Chicken qui s'est pris un bash. La Gina qui essaie de lâcher un burst là. Rin qui vient de se prendre un clone. Livin qui commence à prendre des dégâts. Qui a l'écorce de fer. Silence, silence blanquette sur la Vert Chicken.